la matinale Tocsin. 8h-10h, Clémence Oudiakova. Et bonjour à vous tous, bienvenue dans votre matinale Tocsin Matin et merci d'être toujours plus nombreux. Je crois que vous êtes déjà très nombreux sur ce live. Merci, on partage toujours plus de likes, de cœurs et tout ce que vous voudrez qui fait des couleurs sur le chat. Alors au programme aujourd'hui, eh bien nous allons continuer de suivre hein, cette guerre Hamas-Israël, Israël-Hamas avec le point de vue aujourd'hui d'un médecin qui se rend à Gaza plusieurs fois par an. Voilà un point de vue de terrain pour changer un peu des analystes de plateau. Et puis nous allons revenir en France évidemment et parler de cette flambée des colères des gilets jaunes qui se préparent pour une grande manifestation le 14 octobre. Eh bien, face à la colère qui s'intensifie, où en est vraiment le mouvement des gilets jaunes? On posera la question à Flyrider des gilets jaunes, grande figure des gilets jaunes, dans quelques instants. Et puis pour notre corps à corps, nous revenons sur le grand retour du vaccin, retour des campagnes de vaccination. Vous savez, Aurélien Rousseau nous a dit qu'il n'y avait pas d'effet indésirable. Pourtant, on sent un frémissement côté Delfrécy, côté Olivier Véran, côté Agnès Buzyn. On va revenir sur ce frémissement et sur la réalité des vaccins avec Jean-Loup Isambert qui présente son livre « Tous vaccinés, tous en danger » et puis Mélodie de « Où est mon cycle ?» Et enfin, pour finir en beauté, nous serons avec Bernard Lugan, l'africaniste qui propose un retour du code de l'honneur avec le duel. Lui-même a monté l'association pour le rétablissement du duel en matière de presse et il propose aujourd'hui en direct un duel à Edoui Plenel. On sera avec lui à partir de 9h30. Évidemment aussi aujourd'hui, nous avons Monsieur au bon tweet français qui va nous faire sa chronique dans quelques instants également. Mais tout de suite, c'est l'heure de la Pravda. L'écho de la Pravda. Bonjour à tous. 16 000 personnes rassemblées hier à Paris dans cette marche solidaire après l'attaque du Hamas samedi dernier. Pour l'occasion, la tour Eiffel a été illuminée aux couleurs d'Israël. Des personnalités politiques, des anonymes étaient présents dans le cortège pour répondre à l'appel lancé par le CRIF et pour témoigner de leur amitié avec le peuple israélien. Dans le même temps, le ministère des Affaires étrangères confirme la mort d'un deuxième Français dans les attaques du Hamas. 14 autres ressortissants sont toujours portés disparus, dont un enfant de 12 ans. Le Quai d'Orsay considère leur situation très inquiétante. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne se rassemblent d'ailleurs aujourd'hui pour faire le point sur les réponses que peut apporter l'UE face à la situation. Le bilan humain, lui, continue de s'alourdir. Il fait état de plus de 1500 morts des deux côtés, à plus de 800 côté israélien, près de 700 sur la bande de Gaza. D'après les autorités israéliennes, les zones ciblées par les combattants du Hamas ont été reprises. La bande de Gaza est désormais en état de siège, a annoncé le ministre de la Défense israélien. Le Hamas aurait pris en otage plus d'une centaine de personnes et menacerait de les exécuter en cas de nouvelle frappe israélienne. Près de 200 personnes ont été déplacées à Gaza depuis le début du conflit. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale doit se prononcer aujourd'hui sur l'ensemble du projet de loi pour le plein emploi. L'objectif du texte, réduire le chômage autour de 5% en 2027. Un texte vivement décrié par la gauche qui dénonce une stigmatisation des plus précaires. Un vote solennel devrait avoir lieu en fin d'après-midi autour du texte porté par le ministre du Travail, Olivier Dussopt. En rugby, Antoine Dupont de retour à l'entraînement. Le capitaine du 15 de France a reçu le feu vert du chirurgien qui l'avait opéré après sa fracture de la pommette. C'était face à la Namibie fin septembre. Il pourrait donc être titulaire dimanche soir face à l'Afrique du Sud pour le quart de finale du Mondial. Le talonneur Julien Marchand, en revanche, lui, ne sera pas disponible. Blessé, on le rappelle, lors du match d'ouverture contre les All Blacks. Excellente journée à notre écoute. Merci beaucoup, on vous retrouve dans 2 heures et tout de suite c'est l'heure du sonneur. C'est l'heure du sonneur. Et oui, parce qu'avec cette guerre sur la scène israélienne, on en oublie aussi les peines des Français flambées des prix d'énergie, de l'essence, de l'inflation, Resto du Cœur qui n'arrive pas à venir en aide à tous, hein, rappelez-vous. Eh bien, face à la flambée des prix, les Gilets jaunes appellent à la flambée des colère. Et c'est un appel pour samedi prochain, cette flambée des colères. Un appel qui circule notamment sur les réseaux sociaux. Alors, pour en parler, nous sommes avec une figure des Gilets jaunes, Flyrider. Bonjour. Vous êtes avec nous, Flyrider. C'est votre pseudo. Hein. Vous êtes avant tout Maxime Nicole. Bonjour, Maxime Nicole.
Bonjour, bonjour. Et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes auteur de ce livre, un Fly Rider Gilet Jaune, aux éditions du Diable Vauvert. Alors, vous aussi, évidemment, vous relayez cet appel à une grande manifestation, à une grande mobilisation. Pourquoi d'abord, particulièrement maintenant, pour cette rentrée, et quelles sont vos attentes ? Alors maintenant, parce que les gens discutent depuis plusieurs mois de tout ce qui se passe, de toutes les augmentations, des décisions politiques qui ont été prises, on est dans un épisode politique où on voit le gouvernement et les différents représentants faire des dîners dans le palais de Versailles, avoir des discours qui sont de plus en plus méprisants. Et cette colère, elle fait suite à une colère qui s'est jamais éteinte, qui est née en novembre 2018, et qui montre une envie de changer les choses. Donc, je pense pas que les choses se soient calmées. Je pense au contraire, je pense que c'est partagé par l'ensemble de la population aujourd'hui, même ceux qui n'étaient pas gilets jaunes à l'époque. Oui. Que le coût de la vie augmente, que le prix de la vie ne fait que aller vers des augmentations. Restez bien près de votre téléphone, hein, on vous entend un peu de façon lointaine de temps en temps. Fly Rider, je voulais vous demander justement, vous avez dit finalement, on a le coût de la vie qui augmente et des personnes qui n'étaient pas concernées en 2018 qui aujourd'hui peuvent se sentir concernées. C'est la première question que je voulais vous poser. Est-ce que vous considérez finalement qu'on a une gilet jaunisation de la population française ? Alors, gilet jaunisation, c'est un mot inventé par les politiques. Je pense que le fait que les gens deviennent opposants à ce régime politique, c'est pas quelque chose qui est né de la rue, c'est quelque chose qui date de bien avant. C'est-à-dire des oppositions politiques, il y en a dans le pays. Elles commencent par le vote blanc et par le fait que les gens n'aient plus confiance aux partis politiques. Ce qui s'est passé dans les rues, c'est une continuité de ça, en fait. C'est le fait que les gens ne se sentent pas reconnus et ne se sentent pas écoutés. Oui, est-ce que vous parlez d'absentéisme et vous dites que c'est la première opposition politique? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, c'est encore la meilleure façon de se faire entendre, c'est d'aller dans la rue, de faire du bruit, comme on dit, mais dans la rue plutôt que dans les urnes? Est-ce que c'est vraiment utile, ça? Dans les urnes, le jour où l'article 27 de la Constitution sera changé et que les mandats seront impératifs, c'est-à-dire que les politiciens auront l'obligation de faire ce pour quoi ils ont été élus, comme vous avez un contrat de travail, vous êtes obligé de faire ce pour quoi vous avez été embauché. Le politique, non, il n'est pas obligé. Donc, faire confiance à quelqu'un qui n'a pas d'obligation de faire ce pour quoi il est élu, c'est un peu compliqué. Ouais. Au-delà de ça, je pense que faire confiance à des gens qui sont pris la main dans le sac, je veux dire, combien il y a de personnes dans la République En Marche qui sont poursuivies en justice pour du détournement de fonds publics, pour d'influence du trafic de drogue, enfin, ça fait beaucoup, je pense. Les Français méritent mieux, qu'on soit d'accord ou pas avec les gilets jaunes, qu'on soit d'accord ou pas avec les manifestations. Oui, mais la solution, finalement, c'est quoi? À part de manifester, vous avez bien vu tous les mouvements des gilets jaunes que nous avons suivis depuis le début, hein, finalement, qui n'ont donné rien, qui n'ont donné aucun résultat politique. L'essai n'a pas été transformé, vous voyez. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans une forme d'avortement, d'une colère qui est légitime et qui est existante? Eh ben, moi, je pense que, étant donné que le gouvernement ne nous laisse pas la possibilité d'avoir ce résultat, cet essai marqué, comme vous dites, par la voie des rues et par la voie des mobilisations et par la voie de l'écoute, je pense que les gens vont encore une fois essayer gentiment d'aller manifester, que, encore une fois, on aura une réponse répressive et violente. Les gens s'y attendent, hein. Mais je pense que la colère a passé un stade et que si le gouvernement continue cette forme de répression, cette forme d'écoute, il faudra un jour que le gouvernement s'attende à ce que les gens deviennent beaucoup plus gentils. D'ailleurs, les renseignements français ont émis des notes de service en ce sens en disant que les gens commençaient à avoir une colère qui serait potentiellement non maîtrisable, que ce serait plus sporadique, qu'il y aurait des actions plus violente, entre guillemets, en réponse à la violence d'un État qui l'est énormément tous les jours. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que cette fois-ci, il y aura une forme d'écoute. Je n'y crois absolument pas. Et donc, je pense que dans les mois, voire les années qui viennent, les luttes citoyennes et les luttes qui tendent à vouloir des choses qui font preuve pourtant de bon sens, hein, c'est-à-dire vivre dignement d'un salaire, mettre fin à la corruption des armes, à l'instrumentalisation des institutions, au détournement des institutions, je pense que ça va finir par tourner très mal tout ça.
Oui, on sent dans votre discours assez mesuré encore que vous dites les services secrets notent le risque d'une colère non maîtrisable. Vous-même, vous dites là, on va encore manifester gentiment, mais il y a des risques de débordement. Cette colère, finalement, cette révolte, voire révolution, vous, au fond de vous, vous la souhaitez ou pas ? Moi, ce que je souhaite, c'est que nos institutions, le pays dans lequel je vis, qui est quand même un pays qui a des bases qui étaient un exemple dans le monde entier, mais j'aimerais qu'elles soient respectées. Donc après, la voie qu'on doit emprunter pour que ça se soit respecté, c'est pas vraiment la population qui le décide. Quand le gouvernement écoute les gens et fait en sorte que l'intérêt collectif soit respecté, bah, ça se passe très bien en général. Mais malheureusement, les gouvernements, avides de pouvoir, quand on leur demande de faire des choses qui sont, à mon sens, qui sont remplies de bon sens, bah, ça fonctionne pas. Donc, c'est pas que je la souhaite, je souhaite pas une révolution, je souhaite que j'aimerais, dans un monde de bisounours, que le gouvernement dise, bon, allez, on a assez joué avec l'argent public, on a assez joué avec les institutions, on a assez fait en sorte que des multinationales se gavent de pognon et que des gens meurent, dans ce pays, où il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, des gens qui meurent dans les rues, des étudiants qui font la queue pour aller manger, des hôpitaux qui sont saturés. Je veux dire, des exemples qu'on en a suffisamment concrets. Oui, les hôpitaux qui ne tiennent plus. Depuis 30 ans, je veux dire, j'ai discuté avec n'importe quelle personne qui travaille dans les services hospitaliers ou dans toutes les institutions publiques, et vous disent il n'y a plus de moyens. Le privé est mis en avant, tout est privatisé, personne ne nous écoute. Ça fait des voyages en jet privé pour aller 10 minutes dans des services serrés des mains. Mais en fait, ils n'ont rien à faire. Donc moi, je pense que les colères au début sont saines. Et puis au bout d'un moment, quand la violence d'État, elle, l'est beaucoup moins, les colères deviennent moins saines. Donc c'est pas une volonté. J'ai pas envie de voir une guerre civile débarquer dans mon pays ou des révolutions violentes voir le jour. Mais à ce moment-là, il faut demander au gouvernement d'arrêter de pousser en ce sens. Parce que la colère des gens, quand vous êtes plus rien à manger, quand vous êtes patron de TPE-PME, vous avez vu votre boîte couler pendant le Covid, que vous avez vu tout s'effondrer ces 20-30 dernières années, et qu'on vous dit il va falloir serrer la ceinture, manger un repas sur trois et faire des efforts, parce que le nouveau président a décidé que sur son nouveau plan économique, c'est encore les petits gueux qui vont devoir serrer la ceinture, et ça marche plus. Évidemment, quand les gens veulent manger et doivent choisir entre se soigner ou manger, il y a des colères qui naissent. Évidemment. Vous avez parlé de TPE-PME, et c'est justement cette catégorie de Français qui vont peut-être rejoindre les manifestations samedi prochain, et qui ont en tout cas, qui ont aussi perdu leur pouvoir d'achat ces dernières années, qui se sont sentis abandonnés par la classe politique. Vous considérez justement que samedi prochain et puis pour la suite, le mouvement originel des Gilets jaunes va s'amplifier avec cette nouvelle population, ou malgré tout que le phénomène initial avait une ampleur très importante et qu'aujourd'hui il y a aussi un étouffement, un abandon aussi psychologique qui fait qu'il y aura quand même de toute façon moins de monde qu'au début des Gilets jaunes. Je pense qu'il faut rectifier quelque chose. Déjà, les patrons de TPE-PME étaient déjà présents dans les manifestations pour certains, dès le début du mouvement des Gilets jaunes. Et dire que les patrons de TPE-PME se sentent abandonnés par le gouvernement pour en connaître un paquet de patrons. Je peux vous dire que ils attendent sûrement pas quelque chose de l'État. Oui, c'est vrai. Ils se débrouillent tous les jours pour tenir. Ils font tenir leur société. Ils veulent surtout pas trop d'État. Ils veulent surtout pas trop d'État. C'est-à-dire qu'ils font tenir leur boîte à bras le corps en essayant de jongler avec tout un tas de réglementations qui les empêchent d'embaucher comme ils voudraient, de payer comme ils voudraient et de faire fonctionner leur société comme ils voudraient. Et quand il y a eu le Covid, ils ont beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de TPE-PME qui ont fermé leurs portes, ils ont très très bien compris à quel point le gouvernement, de toute façon, ne les aidera pas. Le gouvernement, par contre, pour voter les lois, pour aller leur ponctionner telle ou telle cotisation, telle ou telle imposition, ou telle charge, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est pas les 5-10%, c'est des montants qui sont astronomiques, même si les bilans ne sont pas faits, même si les revenus ne sont pas rentrés. Donc, les patrons de TPE-PME, commencent à dire on veut bien être les gentils citoyens, entre guillemets, qui votons et qui payons nos impôts, au bout d'un moment, baisser sa culotte et excusez-moi de l'expression, et dire merci à la fin, c'est pas quelque chose que les patrons seront prêts à faire, je pense. Ils en ont fait assez. Et donc j'espère de toute façon que
les mobilisations seront suffisamment grandes. Mais il faut que ce soit complémentaire. Il faut des mobilisations, il faut des grèves, il faut dire stop à tout ça, tout simplement. Pour conclure, Flyrider, vous attendez, vous pensez qu'il y aura, on sera sur quel type de mobilisation samedi prochain? Vous pensez qu'il y aura, beaucoup de monde? Je pense que ça circule énormément. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui relaient tout ça, un peu comme à la manière de novembre 2018. Donc, c'est pas quelque chose qui est quantifiable à l'avance, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent que tout ça s'arrête. Donc, on aura tous la surprise samedi prochain et on verra à quel point les gens ont envie de dire stop. Une dernière question qui me vient à l'esprit. Il y a quelque chose qui avait finalement assez bien fonctionné. C'était, par exemple, les ronds-points, c'est sûr, c'était très, il y avait vraiment un effet symbolique, mais également les péages, la prise en otage des péages, le fait que du coup l'argent n'était plus reversé. Est-ce que finalement c'est pas par là qu'il faudrait attaquer l'État? C'est par toutes ces arrivées financières. La position, ça devient plus compliqué aujourd'hui, mais que ce soit les radars, les péages ou autres. Bah déjà, la prise en otage des péages, elle est pour les gens qui payent les péages. C'est-à-dire qu'on a déjà payé les autoroutes, maintenant il faut payer l'entretien et payer des sociétés qui sont privées et qui se font un max de pognon avec nos autoroutes et nos routes françaises. Donc la prise en otage, elle est citoyenne, là pour le coup, clairement. Donc oui, prendre les péages ou les rendre dysfonctionnels, je pense qu'on les a tous payés, les péages, s'ils fonctionnent pas. Oui, mais ce que je veux dire, justement, une réponse des Gilets jaunes et maintenant du mouvement au porte-monnaie, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, bah je pense que c'est le genre d'action. Alors, qui le est problème, attendu. C'est que si je vous dis ça publiquement sur la radio, ça s'appelle de l'incitation à la commission de crimes et délits. Oui, c'est punissable par la loi. Et j'ai déjà, à suivre, alors. J'ai déjà un Premier ministre qui s'appelait Castaner qui a déclenché un article 40 contre moi à cause de ça. Donc je n'incite effectivement personne à commettre des crimes et des délits. Bien sûr. Mais je pense que quand quelqu'un commet un crime et un délit, c'est qu'à la base, on l'a poussé à le faire. En tout cas, en ce qui concerne les mouvements sociaux, ça dépend. Moi, je parle bien sûr. Des mouvements sociaux et des péages dans ce cas précis. Merci beaucoup, Flyrider. On reviendra vers vous après cette mobilisation pour faire le bilan avec vous. Merci encore et j'appelle votre livre Flyrider, Gilets jaunes aux éditions du Diable Vauvert. Merci encore. Et nous continuons notre matinale. Dans quelques instants, on va donner la parole à un homme de terrain, un médecin qui va plusieurs fois par an sur la bande de Gaza, qui va nous raconter justement son retour de terrain. Et puis ensuite, nous allons parler des vaccins qui sont sans effet indésirable d'après notre ministre de la Santé. Eh bien, on en parlera, on fera le bilan avec deux de nos invités. Et derrière, enfin, nous recevons Bernard Lugan, africaniste, qui fait l'éloge du duel et qui propose et qui provoque en duel Edoui Plenel. On en parle à partir de 9h30. Mais tout de suite, eh bien, nous allons donner la parole à ce médecin, Christophe Oberlin. Le clairon. Alors, la cristallisation du conflit israélo-palestinien autour de la bande de Gaza s'est tristement rappelée à l'actualité internationale ce week-end, avec les attentats barbares du Hamas contre les civils israéliens. Depuis l'attaque du Hamas, Israël s'est déclaré officiellement en guerre dimanche dernier, lançant dans la foulée une campagne de frappes aériennes sur la bande de Gaza, avec à l'époque plus de 200 victimes en quelques heures seulement. La riposte n'en est qu'à ses débuts. Je cite le lieutenant Masha Michelson, porte-parole de l'armée israélienne. Cette attaque sans précédent dans l'histoire de notre pays nous oblige à une réponse sans précédent. Et le ministre de la Défense israélien a ainsi annoncé l'imposition d'un siège complet du territoire de Gaza, où vivent quelque 2,3 millions de Palestiniens. Pas d'électricité, a-t-il dit, pas d'eau, pas de gaz. Il a ajouté, nous combattons des animaux. Voilà, le Hamas en mesure de rétorsion menace d'exécuter les otages civils qu'ils avaient pris en cas de frappe d'Israël sans préavis à Gaza. Voilà, nous avions déjà abordé ces questions géopolitiques du côté géopolitique hier avec Régis Le Sommier et Éric Denessé, deux connaisseurs de politique internationale. Aujourd'hui, on donne la parole à un homme qui n'est ni journaliste ni expert en relations internationales, mais qui depuis 10 ans se rend dans la bande de Gaza plusieurs fois chaque année pour y soigner 20 ans. Je suis pas à jour, en effet, il faut que je mette mes fiches à jour. Se rendre à la bande de Gaza plusieurs fois par an pour y soigner les blessés palestiniens de l'intifada notamment, et enseigner la chirurgie aux médecins palestiniens. Auteur de nombreux livres, Chroniques de Gaza 2001-2010 aux éditions 2001, Chrétien de Gaza aux éditions Éric Bonnier,
Bienvenue en Palestine, destination interdite aux éditions Éric Bonnier. Et les derniers, alors les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête, toujours aux éditions Éric Bonnier. Et enfin, une traduction réalisée par Christophe Oberlin de Daoud Abdullah, histoire de la politique étrangère du Hamas. Et là, toujours chez Éric Bonnier. Et là, on est vraiment au cœur de notre sujet. Eh bien, bonjour à vous, Christophe Oberlin. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, hein, et j'ai dit en introduction, vous êtes avant tout médecin, chirurgien de la main spécialisé dans la microchirurgie et donc grand familier de Gaza puisque vous vous y rendez maintenant depuis 20 ans, vous avez bien fait de me corriger, plusieurs fois par an. Et vous en avez publié des chroniques, des livrets et ces différents livres que nous avons cités. Alors comme je l'ai dit, juste pour commencer, la majorité on va dire, internationale politique avait un peu mis de côté, mis en sourdine presque, hein, ce conflit. Et ce qui se passait sur la bande de Gaza. Comment vous expliquez justement ce silence qui régnait dernièrement ? Écoutez, alors que vous continuez d'en parler. Hein. Voilà, écoutez, la situation actuelle est une situation désastreuse. Je crois que tout le monde est d'accord. Mmh. Mais au-delà des mots très, très excessifs qui sont utilisés en permanence vis-à-vis de la situation actuelle, je crois qu'il faut se rendre compte que dans ce désastre, les Occidentaux ont une responsabilité colossale. Les Occidentaux, l'Europe en particulier, avec une exception européenne dont on ne parle pas, mais qui est pourtant extrêmement importante, c'est l'exception irlandaise. Aujourd'hui, en Irlande, vous avez un parti qui est au pouvoir, qui s'appelle le Sinn Féin. Le Sinn Féin, en son temps, a été un mouvement de libération nationale. Et pour aboutir à ses objectifs, eh bien, il a utilisé tous les moyens que le droit international donne au mouvement de libération nationale, c'est-à-dire le levier politique, le levier juridique et le levier de la résistance armée. Autrement dit, je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui, le principal acteur initialement de cet Xème épisode guerrier, le Hamas, eh bien, le Hamas s'inscrit exactement dans le moule, je dirais, avec un décalage historique du Sinn Féin, c'est-à-dire que le Hamas a essayé tous les moyens politiques, et les moyens politiques, il en existe encore aujourd'hui, c'est de recourir à des élections. On a critiqué énormément le Hamas qui refusait les accords d'Oslo, mais il en a accepté une toute petite partie qui a la notion de démocratie représentative, de participer à des élections. Il s'est mu en un parti politique, il a participer à des élections dont tout le monde a reconnu. Comme le Hezbollah, finalement. Vous dire. C'est une organisation avant tout. Combien de temps avons-nous ? Parce que combien de temps va durer cette émission ? On va prendre 10 minutes, donc oui, voilà, on pourra refaire. On parlera du Liban une autre fois, si vous voulez bien. Donc ces élections sont refusées par Israël et les Occidentaux maintenant depuis 2009, il ne faut pas oublier. Les moyens juridiques, j'ai entendu un grand journaliste d'une grande radio et d'un grand journal ironiser sur le fait que le Hamas s'apprêtait à déposer hier, une plainte en bonne et due forme à la Cour pénale internationale concernant l'annexion de Jérusalem. C'est bien cruel de faire de l'ironie, mais c'est totalement faux de dire qu'il s'agit de la première action juridique des avocats des Palestiniens depuis 2009. Oui. Toutes les plaintes qui sont parvenues à la Cour pénale internationale sont venues de la bande de Gaza. Ceci a conduit la procureure de l'époque, Fatou Ben Souda, à ouvrir une enquête préliminaire qu'elle a clos au bout de 5 ans, ce qui est long mais qui est malheureusement le délai nécessaire, et elle a ouvert une enquête complète. Et donc aujourd'hui, Israël est sous la menace de la plainte de cette Cour pénale internationale. Le Hamas encore récemment a déposé par le biais d'une dizaine de ses députés une plainte contre le siège, qui en a parlé personne, qui l'a commenté personne, et il s'apprête à déposer une plainte contre l'annexion de Jérusalem, qui est un dossier extrêmement facile à plaider, puisque toutes les sources de droit sans exception, y compris le Conseil de sécurité, y compris toutes, dites que cette annexion est illégal au plan juridique. Alors, on cite maintes fois le général de Gaulle. Non, je veux dire qu'ils s'inscrivent dans le droit international. Oui, mais pas dans l'attaque de civils.
Non, non. Écoutez, cessons aux juristes de dire ce qui sont des civils. Est-ce qu'un soldat qui est dans une caserne en train de prendre sa douche est un civil ou pas? Non, mais est-ce que les réservistes famille, sont des civils ou pas? La question, ce n'est ni à vous ni à moi de porter un jugement, ce sont aux juges. Et les juges, s'il s'agit de civils, comme vous dites, c'est un crime de guerre. Mmh. Les crimes de guerre, il y a une seule instance au monde qui est apte à traiter des crimes de guerre, c'est la Cour pénale internationale. Et cette Cour pénale internationale a été saisie et une ouverture d'enquête officielle a été faite. Et ce que nous attendons, c'est que M. Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, eh bien, se soucie du dossier palestinien. Il a tous les éléments. Et c'est parce qu'il a tous les éléments que Fatou Bensouda a ouvert l'enquête. Donc, il y a une attente. M. Khan s'est rendu en Ukraine en urgence. Il est attendu à Gaza. Souvenez-vous, en 2012, des dirigeants d'État, des premiers ministres, se sont rendus sous les bombes à Gaza, et ça a contribué pour une bonne part à cesser les hostilités au stade aigu. Nous en sommes au stade aigu des hostilités. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, juste quand même, là, on a vu que c'était des festivaliers qui étaient attaqués. Donc là, c'est forcément des civils, on ne peut pas remettre ça en question. Il y avait des familles aussi, on a vu. Bon. Je ne ferai aucun commentaire sur les faits récents. Vous savez, l'Union européenne n'arrête pas de juger. Condamnés et jugés. On considère les Palestiniens comme des barbares. Vous avez d'ailleurs utilisé ce mot, ce terme, ce comme sont des animaux. Enfin, ce ne sont pas les miens. Oui, c'était une citation. Le ministre de la Défense israélien. Voilà, ben, je vous remercie de faire cette précision. Non, mais j'ai même précisé en le disant. Combattons des animaux, c'est le terme. Et je trouve que c'est aussi tout à fait répréhensible. Non, mais je ne discuterai pas ça. Ce que je dis simplement, c'est que il y a une action politique à ouvrir, c'est d'autoriser enfin la tenue d'élections, et ça lèverait la pression. Il y a également des actions juridiques qui sont en cours, et nous attendons désespérément une manifestation du procureur de la Cour pénale internationale. Et puis pour le reste, eh bien c'est le désastre, et nous en sommes bien d'accord. Oui. Justement, parlons un peu du désastre. Vous êtes médecin et vous connaissez la cause de cette bande de Gaza. Vous y allez, vous y allez pas. Justement, si vous y rendez depuis plusieurs années, c'est parce qu'il y a matière à soigner, il y a matière à traiter. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Qu'est-ce que vous constatez, vous, le médecin, tous les ans? Alors, vous allez sur moi, place comme chirurgien, c'est pas tous les ans, c'est 3 fois par an. Donc, ça fait plus d'une cinquantaine de séjours à Gaza. Je suis dans une chirurgie très spécialisée, qui est celle de la réparation secondaire des membres. 40% des blessés survivants de ces guerres eh bien, présentent des lésions séquelaires importantes, des handicaps, des paralysies. C'est ma spécialité. J'ai formé une dizaine de chirurgiens à Gaza, avec des diplômes en microchirurgie, chirurgie réparatrice. Ils font un travail considérable. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la bande de Gaza, ce n'est pas le tiers-monde. On y fait tous les jours de la chirurgie à corps ouvert, de la neurochirurgie, de la chirurgie endoscopique. On y fait des transplantations rénales à Gaza, vous voyez. Donc c'est un pays d'un niveau, d'éducation, pas d'analphabétisme, etc., 150 000 étudiants dans les universités, qui est du niveau occidental, avec d'ailleurs des critères de santé qui sont ceux de l'Organisation mondiale de la santé, qui fait des rapports mensuels, qui sont des nations moyennement développées, voire très développées. Mmh. Autrement dit, c'est un pays très développé. C'est le pays le plus éduqué du monde arabe. Mmh. Et vous voyez, lorsqu'on montre des enfants sortis des décombres morts, eh bien, on se rend compte qu'on jette de l'essence sur un incendie, vous voyez, parce que à chaque bombe qui est tombée cette nuit sur Gaza, vous avez 10 ou 100 combattants qui sont après allés jusqu'au bout, vous voyez. Autrement dit, il est très important d'arrêter le plus tôt possible cette effusion de sang, car elle n'est dans l'intérêt de personne, car Israël n'a jamais gagné un point politique ni militaire en bombardant la bande de Gaza. Mais est-ce que vous avez prévu justement de vous rendre sur place, vous, pour aller aider aussi cette population civile de la bande de Gaza qui est touchée clairement par les impacts israéliens? Alors pour l'anecdote, j'y vais 3 fois par an. J'avais mon billet d'avion qui est tombé de manière totalement par hasard pour ce samedi, et au dernier moment je n'ai pas embarqué avec mes équipes. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, dans la situation actuelle,
les équipes de chirurgicales de Gaza, qui sont très hautement qualifiées, eh bien, font de sauvent des vies, c'est-à-dire qu'ils opèrent les lésions abdominales et thoraciques. Moi, je fais de la chirurgie secondaire, réparation des membres, les os pas consolidés, non, les paralysies, etc. Autrement dit, je ne serais d'aucune utilité. C'est pas dans l'urgence. Oui. Moi, c'est après. Je viens après. D'accord. Justement, alors, vous qui connaissez bien le contexte, qui connaissez bien la bande de Gaza, donnez-nous justement à nous un petit peu de matière pour mieux comprendre aussi ce qui se passe, notamment autour de la bande de Gaza et cette cristallisation depuis tant d'années. Si vous voulez, moi, plus de détails, je ne suis pas un journaliste, vous l'avez dit, ni un écrivain. Par contre, je peux témoigner de ce que je vois sur le plan de la santé. C'est ce qu'on vous demande. Et j'ai aussi écrit 7 livres, très exactement, je les ai comptés tout à l'heure, qui correspondent à des interrogations que j'ai pu poser auprès des gens qui administrent Gaza. Vous voyez, j'étais très surpris d'entendre dans une excellente radio nationale une personne formidable qui est un diplomate de haut niveau, qui s'appelle Yves Aumin de la Messuzière, par exemple. Et il était invité au titre d'avoir parlé, j'ouvre les guillemets, parlé avec les dirigeants du Hamas à Gaza en 2009. Pourquoi 2009? Et il a expliqué, voilà, c'était même à l'époque difficile. Le Hamas est une organisation terroriste et donc je n'avais pas le droit de leur parler. Autrement dit, voilà maintenant des années et des années qu'un classement strictement politique, car la seule fois où il est passé devant une instance juridictionnelle, qui est le tribunal de l'Union européenne, il a été sorti de la liste des organisations terroristes. Le Hamas n'a jamais fait d'attentats en dehors de la Palestine, hein, contrairement à l'OLP, au Fatah, tout ce que vous voulez, contrairement à tous les leaders qui ont été civils, qui ont été assassinés par Israël, y compris sur le territoire national, sans qu'il y ait eu d'enquête. Voilà. Donc, on ne parle pas au Hamas. Alors, la diplomatie se tire une balle dans le pied, vous voyez, on ne parle pas. Vous-même, vous avez par contre, moi, je parle avec le Hamas. Bah oui, je vis avec si le Hamas. Sur le imaginez que les Américains ouvrent un dispensaire boulevard Saint-Michel sans demander au ministre de la Santé, à l'agence régionale de sanitaire, etc. Donc, je travaille complètement avec eux et je n'ai pas entendu une seule fois, et depuis des années, la position du Hamas sur la question israélo-palestinienne, le programme qu'ils ont et qui existe maintenant depuis les accords d'Oslo. On ne leur a jamais posé la question, quel est votre objectif? En fait, votre point de vue, là, mais là, vous dépassez, pardon, hein, j'ai l'impression, l'avis du médecin, mais bon, on va dire le citoyen, l'analyse que vous pouvez évidemment avoir et en connaissance du terrain, vous nous dites, le Hamas, on ne lui permet pas d'avoir un développement politique, donc acculé, il part dans le... Vous voulez pas qu'on qualifie ça d'acte terroriste, là, chacun... C'est pas à nous de le faire. Vous savez que dans le statut de la Cour pénale internationale, qui est très bien fait, le mot terrorisme n'existe pas. Oui, d'accord. Donc là, chacun... On juge toutes les parties et ça a été l'ouverture d'enquête. En tout cas, acte c'est barbare, on peut dire. Toutes les parties seront évaluées. Je vous signale aussi qu'on ne fait pas le même poids pour l'occupant et l'occupé. Il y a un article, l'article 31... qui considère qu'en état d'urgence absolue, il y a même des cas d'exonération de crimes de guerre. Est-ce que Gaza n'est pas en état d'urgence absolue, sans eau, sans électricité, avec près de 30 ans de siège? On parle toujours de 2007. Moi, depuis 2001, je vois le siège. C'est-à-dire les Israéliens contrôlent... Justement, c'est ce que je vous demandais. Quelle est la situation de la bande de Gaza depuis tant d'années? Racontez-nous, justement, là, on sait qu'il y a un siège qui a été... qui est annoncé, mais la situation est déjà très difficile pour eux depuis tant d'années. La situation, et vous voulez que je vous donne des exemples sur le plan sanitaire, par exemple, eh bien, vous ne le pensez peut-être, vous ne le savez sans doute pas, mais la principale problème de santé à Gaza, c'est le cancer. C'est le cancer, pourquoi? Eh bien, parce que les moyens de développement d'unités cancéreuses n'ont pas été autorisés par Israël. Philippe Douste-Blazy, en son temps, qui était un médecin, a été ministre de la Santé. Oui, il a fait un programme, des engins ont été achetés, la radiothérapie n'est pas autorisée par Israël, donc il n'y a pas de radiothérapie. Les enfants, les femmes atteintes de cancer du sein meurent faute de radiothérapie. Toutes les statistiques de cancer font état de cette lacune, si vous voulez. Sur le plan de la santé, dans la mesure de ce que Israël laisse entrer et sortir, eh bien, c'est une santé de haut niveau, avec une espérance de vie qui est une espérance de vie correspondant aux pays développés.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Christophe Oberlin. Et justement, c'est important pour nous de donner la parole à tout le monde et aussi à d'autres sensibilités, à d'autres points de vue, à un homme de terrain qui connaît bien la bande de Gaza. Merci, Christophe Oberlin. Je rappelle le titre de vos livres, les derniers, Histoire de la politique étrangère du Hamas. Là, vous avez traduit le livre de Daoud Abdullah aux éditions Éric Bonnier, et puis Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. L'enquête, voilà, toujours aux éditions Éric Bonnier. Je pense que ce sera intéressant, en effet, quand on revienne sur une émission plus longue pour creuser un peu justement les origines de ce conflit. Merci encore Christophe Oberlin, et nous continuons notre matinale. Nous avons dépassé des records, hein, notamment avec vous Christophe Oberlin, plus de 2000 viewers en direct. Tout de suite, nous avons la chronique de Monsieur Aubontweet qui va revenir justement sur cette politique de vaccination, et puis ensuite nous allons donner la parole à Jean-Louis Zambert, Mélodie Ferron de Où est mon cycle, pour revenir toujours sur cette campagne vaccinale, et enfin Bernard Lugan qui appelle à la réhabilitation du duel et qui propose, qui suggère, qui provoque même en duel Edoui Pienel. Il sera avec nous à partir de 9h30, mais tout de suite, eh bien, c'est la chronique de Aubontweet français. Le coup de marteau. Ce sera le coup de marteau de Monsieur Aubontweet qui va arriver, qui s'installe. Il porte ses lunettes, son chapeau, son masque, comme toujours, car il est, inconnu. Hein. Nous ne savons pas qui il est derrière, et il a toujours cette belle tenue. Bonjour Aubontweet. Bonjour Clémence. Alors, quel sera le thème de votre minute complotiste aujourd'hui ? Alors bon, on va essayer d'être un petit peu plus léger après tout ce qu'on vient de voir. Là, je vais vous parler de la nouvelle saison du Covid. Oui. Et je voudrais rendre hommage déjà à Aurélien Rousseau qui mouille vraiment la chemise pour essayer de faire prendre le truc, alors que manifestement, plus personne n'en a rien à foutre. Mais bon... le coup de zéro effet secondaire sur le vaccin, si tu veux, mon petit Aurélien, il va falloir que tu revoies tes notes. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre truc. Mais voilà, c'est la nouvelle saison du Covid. Du coup, j'ai composé mon équipe de France olympique du vaccin Pfizer pour l'affronter. Alors désolé pour ceux qui me suivent sur Twitter et Telegram, parce que c'est vrai que j'ai déjà fait un message similaire, mais comme j'avais pas beaucoup de place, parce que je suis pas Twitter bleu, moi, j'avais pas pu développer et expliquer mes choix tactiques. Donc, ah alors, oui. Ouais. Donc, vous montez une équipe et vous nous expliquez qui va voilà, être. Exactement. Enfin, j'ai monté une équipe et je voudrais justifier mes choix. Bah oui. Alors déjà en préambule, on m'a beaucoup reproché de pas mettre Marty, Deray, Blachier, Lacombe, ouais, etc., etc. dans ma sélection. Mais je précise quand même, c'est une sélection olympique, donc c'est forcément amateur. Donc je vais pas commencer à mettre tous ceux qui gagnent plein de fric sur le sujet. Alors c'est vrai que c'est pas très Coubertin comme esprit. Hein. Voilà. Donc je vais vous présenter mon équipe type qui est composée d'amateurs, mais d'amateurs de très très haut niveau. Alors on vous écoute. Alors dans les buts, le Chypre, je le maintiens. Alors pourquoi lui? Le Chypre, c'est le meilleur, Clémence. Il n'y a pas photo, il laisse rien passer. Mais pourquoi à ce point-là ? Bah oui, et puis en plus, avec le Chypre, ce que j'aime bien, c'est qu'une bonne équipe, c'est avant tout un mental. Et le Chypre, quand je l'ai entendu donner des conseils à Djokovic sur comment entretenir son corps, je me suis dit, ce mec-là, il doute de rien. Avec un mec pareil, on ne peut pas perdre. Ça, c'est sûr, c'est un bon argument. Voilà, surtout qu'il va être appuyé par une défense que j'espère infranchissable, composée de joueurs extrêmement expérimentés. Vous parlez de qui, alors ? Alors, sur les côtés, on a Berléand et Junio, quand même, ah oui, c'est du lourd. En charnière centrale, Lavillier et Bourdon. Voilà, c'est des joueurs qui ont de la bouteille, qui oui, sont rugueux, qui sont virils, mais toujours corrects. Ils seront très difficiles à passer. Surtout Berléand, j'aime beaucoup son côté teigneux qui impressionne souvent ses adversaires. Alors là, c'est sûr, c'est un gage de solidité. Alors, et la suite ? Alors ensuite, on arrive à notre vrai point fort, c'est le trio magique du milieu. Le trio que le monde entier nous envie. Ah bon, à ce point-là, ouais, qui ça alors ? Je crois que vous ne vous rendez pas compte. Déjà, à droite, on a Christophe Barbier. Ouh là là, ça c'est du lourd. C'est l'infatigable Barbier, il est toujours là, partout, il court tout le temps, il ne s'arrête jamais. À gauche, on a Eindhoven, toujours là aussi pour les grands rendez-vous. Quelle classe, quelle élégance, quelle vision du jeu. Et au centre, on a le meilleur joueur du monde, François Cluzet. Vous connaissez Zidane, Messi, Mbappé et tout ça ? Bah oui, quand même. Voilà. Et bien, Cluzet, dans l'équipe de France olympique du vaccin Pfizer, c'est un mélange des trois. Il est exceptionnel. Quand il a commencé à se lancer contre les anti-vax, il est inarrêtable. Un joueur comme ça, il y en a un par génération. Coup de bol, il joue pour nous. J'en ai d'ailleurs fait mon capitaine. Et alors, on attaque.
On attaque là aussi, j'ai du solide. Sur l'aile droite, j'ai Patrick Cohen. Alors, j'ai longtemps hésité parce que, comme vous le savez, Patrick Cohen, il est expert en tout. Bah oui, donc, on peut le mettre partout. Voilà. Alors, ouais. Et j'avais un peu peur qu'il se disperse, qu'il s'éparpille sur d'autres sujets. Mais il est tellement incollable sur le Covid, les vaccins, la microbiologie, la virologie, que ça aurait été dommage de se passer d'un tel talent. C'est sûr. Sur l'aile gauche, Nicolas Bedos, toujours régulier, toujours précis, toujours indispensable. Et en pointe, évidemment, Patrick Bruel, qui est devenu un titulaire indiscutable le jour où il a déclaré à un concert que les anti-vax commençaient à nous saouler. Donc très efficace, très percutant, ah oui. Bruel. Mais alors, il nous manque l'entraîneur. Qui sera l'entraîneur ? Michel Simès, l'expérience, la vision du jeu, les choix tactiques. C'est un technicien hors pair. Lui seul peut tirer le maximum de cette équipe déjà exceptionnelle. Bon, alors, quels sont vos objectifs pour cette belle équipe olympique ? On va être clair, Clémence, je vise au moins le podium. Alors, c'est vrai qu'on a quand même du lourd en face. On a les Américains, on a les Anglais, on a les Canadiens, on a les Australiens. Les Australiens, on est mal avec les Australiens. Ils jouent bien, ils sont vraiment forts. Mais avec cette équipe-là, si je ne ramène pas une médaille, je vais être déçu. Vraiment, je vous l'avoue. Et je crois même qu'on a les atouts pour aller chercher l'or. Oh bah, on prie pour cette belle équipe olympique. Merci encore au bon tweet. On n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour l'équipe de France des vaccins Pfizer. Et merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine au bon tweet français. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Et puis nous continuons notre matinale Tocsin Matin. Et continuez de nous relayer, de mettre des cœurs, des pouces levés, des smileys, tout ce que vous voulez. On est en record de live en ce moment. Merci à vous tous d'être si nombreux. Dans quelques instants, nous allons revenir un petit peu plus sérieusement sur cette campagne de vaccination avec Jean-Louis Zambert et Mélodie Ferrand. Et puis enfin, Bernard Lugan qui veut réhabiliter le duel, et pas pour n'importe qui, pour les journalistes. On en parle à partir de 9h30, mais tout de suite, notre table ronde, notre corps à corps. La matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. Bon alors, c'est pas vraiment à la volée, c'est plutôt le corps à corps. Donc on a parlé de cette scène internationale, et bien retour en France, et avec un sujet qui porte aussi ses effets d'ailleurs au niveau international, les vaccins. Et la gestion de la crise Covid par le gouvernement, on sent comme un frémissement ces derniers temps, malgré des propos très affirmatifs. Et d'ailleurs, d'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, concernant l'absence d'effets indésirables du vaccin anti-Covid. Je le rappelle et je vous propose de l'écouter, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui exprimait son avis le 3 octobre dernier sur France Inter. Il n'y a pas d'effet secondaire, disait-il. On a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Voilà, on n'a pas d'effet secondaire, on a du recul désormais, voilà ce que nous affirme Aurélien Rousseau. Pour la petite histoire, et on reviendra là-dessus, le professeur Perron et Xavier Zalbert, président de l'association bonsens.org, ont déposé plainte à la Cour de justice de la République contre ce ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, à la suite de ses propos, où il expliquait qu'il n'y avait donc pas d'effet secondaire. Alors d'autres semblent préparer doucement leur retournement de veste. Il y a eu 2 livres quand même, celui d'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, et celui de Jean-François Delfraissy, ancien président du conseil scientifique pendant la période Covid. Eh bien, voilà ce que dit entre autres Jean-François Delfraissy sur les effets du vaccin. Écoutez Jean-François Delfraissy. Est-ce que vous n'avez pas assez prévenu sur les effets secondaires de ces vaccins ? Alors, il me semble qu'on a... D'abord, on les a découverts au fur et à mesure que c'est arrivé. Il me semble qu'il y a eu plutôt une application du principe de précaution, puisque un des vaccins, AstraZeneca, a été retiré en mars 2021 à la suite justement d'accidents de type myocardite. Il n'y a jamais eu autant de surveillance, une surveillance au niveau national et au niveau international des effets secondaires. Alors, à titre individuel, moi je reconnais que c'est terrible ce qui lui arrive. C'est terrible. Voilà. Et après, il revient sur le cas d'une jeune fille en particulier qui a été touchée par des effets secondaires. Mais vous avez bien entendu, il n'y a jamais eu autant de surveillance au niveau international. Et puis surtout, la phrase choc, il me semble qu'on a relayé donc ces effets secondaires au fur et à mesure qu'on les a découverts et qu'on a découvert que ça arrivait. Voilà Jean-François Delfraissy, je rappelle quand même, président à ce moment-là du conseil scientifique. Alors bon, une estimation un peu au doigt mouillé, il me semble que on va évidemment y revenir
revenir avec nos invités. Et alors Agnès Buzyn, elle, qui a publié son livre, dit avoir regretté d'avoir quitté son poste en pleine crise. Elle explique également qu'elle avait pointé du doigt le risque de la propagation du virus. Vous savez, elle a publié ses échanges de SMS avec Édouard Philippe. Et elle explique également la possibilité que l'origine du virus vienne du laboratoire P4. Théorie, je le rappelle, qui était jugée complotiste à l'époque, quand nous autres journalistes l'évoquions. Bon, elle aussi, d'ailleurs, elle est mise en examen devant la Cour de justice de la République. Et aujourd'hui, elle est encore témoin assisté. Bref, il semblerait que certains préparent leur sortie de terrain discrètement. Et nous, nous allons parler justement de cette nouvelle campagne de vaccination qui a l'air de faire autant peur aux politiques qu'à ceux qui connaissent vraiment les effets indésirables. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Loup Isambert et Mélodie Ferron. Bonjour Mélodie Ferron. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondatrice du collectif Où est mon cycle et auteure de ce livre, hein, Où est mon cycle et toi, où est le tien, aux éditions Marco Pieter. Et nous sommes également avec Jean-Loup Isambert. Bonjour Jean-Loup Isambert. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation, auteur dernièrement de ce livre « Tous vaccinés, tous en danger » chez IS Éditions, livre que je montre ici à l'image. Alors Jean-Loup Isambert, justement, c'est un tout récent livre hein, où vous finalement faites un grand bilan non seulement des effets secondaires mais de tous les mensonges qu'on a pu avoir pendant cette période Covid. Il est particulièrement intéressant que vous publiez ce livre maintenant où une nouvelle campagne commence et où on sent d'un côté, évidemment, le récit continué sur le fait qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et puis d'autres qui finissent par, qui sont déjà passés par la case obligatoire et qui désormais finissent par doucement retourner leur veste. Jean-Loup Isambert. Oui, tout d'abord, Clémence, peut-être qu'il faut rappeler quelque chose, c'est que la campagne recommence sur le thème des nouveaux variants, du vaccin dangereux, etc., etc. Je vais donner un chiffre qui est celui qui a été publié par l'OMS en début d'année 2023. Le nombre de décès recensés par l'OMS était de 6 840 279 décès. Rapporté à une population de 8 milliards d'habitants, cela représente un taux de mortalité pour la COVID-19, la maladie du SARS-CoV-2, de 0,085%. Mais attention, sur ces 6 840 279 décès, il y en a à peu près entre 80 et 88%, c'est une estimation, qui ont été provoqués par une autre maladie dont souffraient les personnes qui ont été, qui sont décédées, qui ont été déclarées décédées de la COVID-19. Mmh. Alors, cela veut dire, premièrement, que le vaccin n'est pas aussi dangereux que veulent le dire les autorités, hein, parce que les 6 840 279 décès, c'est sur 3 ans. Pour rappel, vous n'avez pas le vaccin, le Covid. La Covid, pardon. Mm. Et pour rappel, il y a 3 millions d'enfants qui décèdent chaque année de sous-alimentation. Oui. Sur la déclaration du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, il continue de mentir, mais il dissimule des faits qui sont importants et qu'il ne peut pas ignorer. Il continue de mentir parce que Monsieur Véran, l'ancien ministre de la Santé, l'a précédé déjà. Il tenait les mêmes propos que ceux de Monsieur Aurélien Rousseau aujourd'hui. Monsieur Véran, quand il était sur les plateaux de télévision ou interviewé par les journalistes, déclarait que le vaccin était sûr et efficace à 95%. Oui. Et ça, c'est quand il était sur les plateaux de télévision. Parce que par contre, à la fin du mois de février 2021 et fin mars 2021, il a déposé un mémoire devant le Conseil d'État où il est écrit noir sur blanc, et c'est lui qui quand même supervise la rédaction du mémoire, l'efficacité des vaccins n'est que partielle. Je reproduis des extraits dans le livre. Oui. Et le stade des essais de ces vaccins, il n'y avait donc pas de garantie d'immunité associée pour les personnes qui se le voyaient administrer. Un peu plus loin, les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin. Et il terminait en disant, même lorsqu'il a une efficacité sur les personnes concernées, en l'état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus au tiers. Alors, ce n'est pas le discours que tenait M. Véran quand il était dans un média.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est absolument fondamental, cet élément-là. Et c'est évidemment à là que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on voit ce double discours. Là, vous avez cité Olivier Véran. Et avant, moi, je citais Agnès Buzyn, notamment. Ce double discours public, discours officiel, discours public. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Vaccinez-vous. Il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, ceux qui contestent sont des complotistes. Et puis, d'un autre côté, on les voit tous publier de façon plus discrète. Des rapports, des livres pour nous dire « Attention, moi j'ai toujours averti que ». Donc comment vous interprétez, ensuite je vais demander à Mélodie de Ouémon Cycle et également ce qu'elle en pense, comment vous interprétez aujourd'hui ce double discours qui est particulièrement fort aujourd'hui, vous avez cité Olivier Véran, vous avez bien fait, qui est dans votre livre, je rappelle, « Tous vaccinés, tous en danger » chez IS Éditions. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui on sent encore plus le discours officiel continue, mais on sent ce moment où on a l'impression qu'ils préparent tous leur défense, en fait. Jean-Louis Imbert. Ouais, ce qui se passe, c'est qu'ils savent bien, ils ont quand même, il faut quand même le rappeler, il y a des milliards de doses qui ont été achetées par la Commission européenne avec des fonds publics. Et ils savent bien que... Alors, ce qui est intéressant, du reste, c'est qu'il faudrait quand même trouver un parlementaire français ou un eurodéputé, même s'ils sont un peu hors sol, qui pose la question de savoir ce que sont devenus ces milliards de doses. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des dates de préemption, les vaccins ont une date limite d'utilisation, et que les milliards de doses qui ont été achetées par Mme van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, directement avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, il y a quand même des explications à donner là-dessus. Alors, je rappelle du reste, pour la petite histoire, j'en parle dans un livre et j'en parlerai dans un prochain livre en 2024 sur l'Union européenne, que alors qu'il y avait des députés, des eurodéputés qui posaient la question justement des transmissions qui avaient eu lieu entre Madame la présidente de la Commission européenne, van der Leyen, et puis le PDG de Pfizer, tous les présidents de tous les groupes politiques au Parlement européen se sont mis d'accord entre eux pour qu'elle n'ait pas à s'expliquer. Oui. Alors ça déjà... Ça en dit long sur la démocratie au sein de l'Union européenne. Évidemment, on va reparler de l'Union européenne. C'est un sujet qui m'est à cœur également. Mais Mélodie, alors, Mélodie Ferron, fondatrice du collectif Où est mon cycle, auteure de ce livre Où est mon cycle et toi, où en est le tien? Justement, vous avez aussi combattu pour une reconnaissance de ces effets indésirables depuis bien longtemps, au niveau notamment des commissions parlementaires. Vous avez même tenté au niveau européen aussi de cette reconnaissance. Comment vous interprétez-vous justement ce double discours de plus en plus net, là c'est pas un politique, on a cité Delfrécy aussi qui prépare sa porte de sortie, Agnès Buzyn, Olivier Véran, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, c'est sûr. Je rejoins Jean-Louis, d'un côté il y a les milliards de doses à écouler, puis d'un autre côté on a les effets secondaires qui explosent, qui sont de plus en plus graves et qui sont de plus en plus longs, donc il y a un moment ils pourront plus les nier. On a une chute de la natalité comme on n'a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Moi j'ai jamais vu, en tout cas dans les médias mainstream, les politiques parler des jeunes femmes de 20 ans qui sont ménopausées juste après leur première dose. Il y a un moment, je veux dire, de par le nombre, on pourra plus le taire. Et c'est vrai que nous on a alerté quand même depuis longtemps, puisqu'on avait été à l'OPECST, dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat, où les rapporteurs avaient pris, parce que nous on a fait un constat d'huissier quand on est intervenu là-bas, avec Maître Prota, avec les navigants libres, et donc ils prennent parfaitement la mesure du problème. Et moi, ils pourraient prendre la mesure du plus haut problème, mais, et puis visiblement, dans le secret, ils prennent la mesure. Ah oui, complètement. Mais Florence Lassarade, qui elle était rapporteure justement à ce moment-là avec Sonia de la Prévôté, avait été très alarmée par beaucoup de témoignages qu'on avait amenés. On avait amené des témoignages avec des formulaires CERFA, donc qui étaient des témoignages officiels. Je rappelle juste pour tous ceux qui ne vous auraient pas suivi, tout ce que vous avez fait était fait de manière extrêmement sérieuse. Vous demandiez une carte d'identité, vous avez dit c'était sous serment, validé par un huissier, exactement, tout à fait. Donc voilà, donc tout a été fait de façon extrêmement sérieuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez pu présenter aussi ce travail, ce dossier au niveau parlementaire, et ça a été reçu de toute façon comme tel. Malgré tout, on n'a rien vu. D'ailleurs, cette commission a été quand même très décevante à l'époque.
Elle a été très décevante. Et pourtant, dans le rapport d'étape, il reconnaissait parfaitement les choses. Mmh. C'est un rapport d'étape qui est sorti le 9 juin 2022, où eux, ils disaient, étant donné leur volumétrie et donc le caractère peu vraisemblable d'une coïncidence temporelle avec la vaccination chez toutes les femmes qui ont expérimenté ces troubles, il est très étonnant qu'ils ne soient pas déjà considérés comme un effet indésirable avéré du vaccin. Mmh. Bon, et après, ils expliquent qu'en fait, il y a un signal d'alarme qui est ouvert au niveau de l'EMA, qui a été clos très rapidement. Puis, il faut aussi rappeler que pendant cette période-là, avant le passage de Madame Christine Ratigny-Carbonel, pardon, lors de son audition à elle, on avait fait une espèce de petite réunion un petit peu informelle avec la pharmacovigilance, à laquelle Wemoncycle et d'autres collectifs et associations avaient été conviés. Et on l'avait vraiment mise en... On avait alerté autant qu'on pouvait sur la gravité des effets secondaires, nous, en tout cas, sur la partie gynécologique. Et quand elle y est passée, après, il n'y avait pas de son, pas d'image. Et puis, suite à ça, tout a été éteint. Les signaux d'alarme ont été éteints par l'EMA. Alors, je vous remercie à vous tous, chers auditeurs, parce que nous battons en ce moment un record total de viewers en ligne. Hein, plus de 2700 personnes. On va bientôt arriver aux 3000. Évidemment, c'est un sujet qui est très, très concernant. Continuez d'ailleurs de relayer en direct avec vos cœurs, vos pouces levés, etc. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de mettre des pouces levés à la politique, notamment vaccinale, puisque on le disait, Mélodie, pardon. On a eu quand même encore une fois, notre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui nous dit qu'on n'a pas d'effet secondaire. Comment aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, et on voit les autres qui commencent à préparer leur sortie de terrain, on voit un Aurélien Rousseau qui remet une pièce dans le jukebox du mensonge. C'est complètement fou. Enfin, moi, à ce stade-là, je trouve qu'il n'y a plus rien à comprendre, à part que... Enfin, nous, donc, on a décidé de se raccrocher à la plainte du professeur Perron et puis de Xavier Zalbert avec François. Ça nous paraissait très clair. Pour tentative d'escroquerie au consentement. Mmh. Alors, ils disent, non, c'est pas possible. Si, la tentative d'escroquerie au consentement, c'est possible à partir du moment où ça peut entraîner un préjudice moral, physique, la corporelle. Tentative parce que elle va échouer puisque tous les collectifs se mobilisent et puis nous on a décidé aussi de s'unir avec plusieurs collectifs maintenant pour avoir un peu plus de poids et associations avec Verity France, du vaccin aux acouphènes, à Victime 03 et VVC19. Donc on met tout ce qu'on a en commun et puis on avance un peu de front parce qu'on a besoin un peu de mettre nos ressources en commun, on a besoin de pouvoir avancer en se soutenant, parce que c'est quand même un combat qui est long et difficile, et puis on continue à avoir énormément de témoignages de gens qui sont dans une errance médicale, qui maintenant financièrement ont énormément de problèmes, qui n'ont plus de santé en fait, et qui pour la plupart ont même des grosses difficultés à affronter la vie de famille et la vie professionnelle, qui des fois ont même perdu leurs emplois, donc à un moment il faut se soutenir. Non, on ne peut pas gérer ça tout seul dans nos coins encore plus longtemps. Oui. Jean-Louis Zambert, dans votre livre, vous parlez de corruption. Ici, on a quand même des cas de personnalités politiques qui sont aujourd'hui... Il y en a une, donc il y a une plainte qui vient d'être déposée à la Cour de justice de la République contre Aurélien Rousseau, notre ministre actuel de la Santé. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Agnès Buzyn est toujours témoin assisté, a été mise en examen devant la Cour de justice de la République un peu plus tôt. Ça fait beaucoup de politiques qui, finalement, vont avoir des choses à régler devant la justice. Jean-Louis Zambert. Oui, mais alors, justement, il y a un autre délit aussi qui s'y ajoute, à mon avis, c'est celui, le délit de favoritisme. Parce qu'il y a quand même le rappeler qu'il y a un médicament qui permet de soigner de la COVID-19, qui fait au mois d'octobre, là, à l'heure où nous parlons, l'objet de 95 études scientifiques à travers le monde, qui prouve l'efficacité et la sûreté du médicament ivermectine contre la maladie COVID-19. Ce sont des études qui ont été réalisées par 1089 chercheurs avec le concours de 138 000 patients de 28 pays, donc ce n'est pas n'importe quoi. Il y a une banque de données qui existe au niveau international. Qui a Alors, donnez-nous le nom, là, on est en suspense. Donnez-nous le nom de ce produit qui soigne. Alors, c'est l'ivermectine. Oui. Et l'ivermectine, non seulement elle a fait ses preuves, je veux dire, sur le plan des études scientifiques, mais elle est utilisée par plus d'une quarantaine d'États ou de régions d'États, de pays. Et partout où elle a été utilisée, elle a permis d'éradiquer la maladie COVID-19. Alors, ce que je trouve très surprenant, c'est que des ministres de la Santé qui succèdent à la tête de la République française, Madame Buzyn, Monsieur Olivier Véran,
Monsieur Aurélien Rousseau, qui dispose quand même d'une administration qui a fait ses preuves depuis des décennies, malgré les coûts qui lui sont portés par l'Union européenne, réduire les dépenses de santé publique, donc réduction de moyens humains, réduction de moyens financiers, eh bien que ces ministres ne soient pas informés qu'il existe une telle molécule qui a fait ses preuves, comme je le disais, non seulement au travers des études scientifiques, mais dans la pratique. Le cas le plus flagrant, je l'explique dans le livre, c'est l'Inde, qui est une confédération d'une quarantaine d'États, une trentaine, 35 États. Et l'Inde, quand il y a eu la déclaration de l'OMS disant qu'il y avait une pandémie, vous avez des États qui ont dit « nous allons suivre la recommandation de l'OMS de ne pas utiliser l'ivermectine » et d'autres États ont dit « nous allons nous appuyer sur les études scientifiques et nous allons utiliser l'ivermectine ». Et ils l'ont utilisé dans ces États-là de manière massive, c'est-à-dire que les étudiants en médecine, les médecins, allaient dans les quartiers les plus pauvres, distribuer l'ivermectine dans les gares routières, les aéroports, etc. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 mois, ce qu'on a constaté? Oui. Les États qui ont suivi la recommandation de l'OMS, le nombre de cas de malades et de décès a explosé. Et ceux qui ont suivi les études scientifiques qui ont diffusé massivement l'ivermectine ont éradiqué la maladie. Je pense que... Mais il y a d'autres États, le Nebraska aux États-Unis. Alors, les médias n'en parlent pas. Le Japon. Ça, c'est mon Donc, je veux dire, ce sont des faits qui sont importants. Alors, quand vous avez un ministre... qui dissimule, parce qu'il faut voir qu'en même temps, avec l'utilisation de ces vaccins, on continue d'endetter et de mettre en difficulté la sécurité sociale, parce que les Français participent à payer, avec les fonds publics, avec leurs impôts, continuent de payer les achats de vaccins qui sont faits par la Commission, par l'Union européenne. Oui. Auprès je parle des vaccins à ARN messager, alors qu'aujourd'hui, la preuve est faite, justement, scientifiquement, que ces vaccins sont dangereux. Vous avez vu, c'est la première partie du livre. Pourquoi ces vaccins sont-ils dangereux et comment ça se passe-t-il, quoi? Parce qu'il est temps d'alerter les gens, quand même. Je cite, du reste, vous avez vu dans le livre, des extraits de témoignages dont une partie ont été récoltés par mon ami le cinéaste Raphaël Berland. Et je cite notamment l'association de Mélodie, Où est mon cycle, et d'autres témoignages pour montrer que ces effets secondaires qui n'existent pas selon le ministre Rousseau, ils sont variés. Ça va depuis le handicap, maladie cardiaque et jusqu'au décès. Et il y a quelque chose de très grave, c'est la dérégulation du système immunitaire. Oui, tout à fait. On va continuer de parler de ces effets secondaires et très très graves que vous citez en effet à la fin de votre livre. D'abord, merci à vous deux d'être avec nous et merci à vous tous car ça y est, nous avons dépassé les 3000 viewers, YouTubers en direct avec nous. Record battu. Merci à vous tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, à nous relayer. On a besoin de vous pour réussir ces émissions où on parle d'autre chose que dans les émissions, on va dire mainstream. Et on continue d'en parler avec vous, Mélodie Ferron, et vous, Jean-Louis Isambert. Je voulais justement revenir, avant de continuer sur les effets secondaires, vous parlez de corruption et vous dites désormais, il y en a un qui va devoir s'expliquer, c'est Emmanuel Macron, Jean-Louis Isambert. Bah, oui, parce qu'écoutez, Emmanuel Macron est président de la République, donc il ne peut pas régler, bien évidemment, tous les problèmes. Mais dans cette affaire de crise sanitaire, il s'est engagé personnellement. Rappelez-vous, ses multiples interventions, nous sommes en guerre, etc., etc. On peut reprendre tous les discours depuis 3 ans, les uns derrière les autres, qu'il a fait sur la crise sanitaire. Alors, Emmanuel Macron, il a à côté de lui une première ministre, et il a eu avant M. Jean Castex, il a eu maintenant, il a Mme Borne. Et ils ont au sein du gouvernement un ministre de la Santé avec une administration, ou ce qu'il en reste encore, avec des compétences hein, au travers d'une multitude de centres recherche, CNRS, INSERM, etc., etc. Je ne peux pas tous les citer, réseau des instituts. Oui, non, vous voulez dire qu'ils ont de quoi être informés. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas possible que le ministre de la Santé... Alors, s'ajoutent en plus à cette administration les comités qui ont été créés à l'initiative... dont le conseil scientifique qui est... Rappelez-vous, le conseil scientifique, il y a eu à côté le CAR, le même mois de mars 2020, comité analyse, recherche, expertise, et vous avez aujourd'hui le comité de prévention qui leur a succédé. Alors, ce n'est pas possible que ces gens-là, d'une part, méconnaissent les effets secondaires,
Et d'autre part, ce n'est pas possible qu'ils ignorent qu'il existe une molécule, l'ivermectine, qui permet de soigner de la COVID-19. Alors, c'est ce que je dis à la fin du livre, parce qu'il n'y a que deux solutions. La première, soit l'administration et ces gens qui sont dans une multitude de comités n'ont pas joué leur rôle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit au ministre de la Santé, il existe d'abord, ces vaccins sont dangereux, il y a des effets secondaires à travers le monde, partout, ces vaccins à ARN messager sont employés, comme ça n'a jamais existé dans l'histoire de la vaccination. Oui, et Jean-Louis Imbert, juste sur cette utilisation des vaccins ARN, ce n'est pas fini. On voit que là, on a des propositions de vacciner maintenant même les animaux. Donc, on a de quoi être très, très inquiet parce que ce n'est que le début d'une grande campagne vaccinale à ARN. Tout à fait. Tout à fait. Et en même temps, si vous voulez, donc, soit l'administration n'a pas joué son rôle, soit elle a joué son rôle et elle a alerté le ministre en disant « Attention, le principe de précaution n'est pas respecté, contrairement à ce que dit M. Rousseau. À partir de ce moment, si le principe de précaution n'est pas respecté, que se passe-t-il ? Eh bien, il suffit de regarder les centres de pharmacovigilance qui existent aux États-Unis, en Europe, partout, un peu partout à travers le monde, mais principalement même au sein de l'Union européenne. Partout, vous avez l'apparition et une montée des effets secondaires comme il n'y en a jamais eu après une campagne de vaccination. Si l'administration a joué son rôle, si ces comités ont joué leur rôle et ont informé le pouvoir politique, alors il faut qu'Emmanuel Macron s'explique. Effectivement, les conseils scientifiques, le CAR, etc., ont informé le ministre, mais j'ai considéré que ce n'était pas nécessaire de stopper la vaccination et qu'il valait mieux faire la vaccination avec les produits ARN qui sont dangereux. Finalement, pour simplifier, et ensuite je vais me retourner vers Mélodie Ferron, pour simplifier dans l'échelle, dans la chaîne des responsabilités, vous demandez est-ce que ce sont ceux qui sont censés relayer les organismes scientifiques qui sont censés relayer les effets secondaires qui n'ont pas rempli leur rôle, ou est-ce que c'est au niveau au-dessus du politique qui prend la décision où se trouve la faute et peut-être qu'elle est partagée. Mélodie Ferron, à votre avis, justement, vous avez vu, vous, ces parlementaires qui avaient l'air de réaliser avec vous l'ampleur des effets secondaires. Donc, à quel moment ça bloque finalement ? Cédric Villani a dit avoir alerté, en tout cas, parce qu'on l'avait recontacté. Il en a aussi parlé avec Marc Doyer et il a clairement dit qu'ils avaient alerté. Les rapporteurs ont alerté. Et quand on a fait la demande pour avoir le rapport, plus un rapport d'étape, mais un rapport définitif de l'OPECST, ils ont dit que ça aurait lieu après les élections et après, il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, ce rapport a été jugé comme non prioritaire. Oui, parce que déjà, c'est intéressant, après les élections, ça prouve déjà qu'ils ont une temporalité politique, qu'il y a des priorités tout de même, et donc ils préféraient ne pas mettre ce sujet sur le tapis pendant les élections. Ensuite, deuxième chose, Cédric Villani dit « on a alerté », encore une fois, on est sur ce double discours, puisqu'on n'a jamais vu un mot, enfin moi j'ai pas vu en tout cas, de Cédric Villani nous dire « attention au public, hein, attention, il y a des risques d'effets indésirables des vaccins ». Non, non, bien sûr, ils ne sont jamais prononcés officiellement et à la vue des gens, en tout cas pas pour informer ni pour prévenir, mais ils l'avaient fait en tout cas politiquement rien que dans le rapport d'étape. Et nous, on avait fait, Diane Prota avec le collectif des navigants libres, en fait, les avait contactés par officier et ils avaient clairement dit que de toute façon, ce ne serait pas pour l'instant. Et il y a eu un refus, en fait, de dépôt de ce rapport définitif. C'était vraiment un problème parce que c'était un peu la seule entrée qu'on avait trouvée pour l'instant, puisqu'au niveau européen, ça n'avait pas fonctionné non plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait fait une demande d'audition publique et donc pour l'accompagner, il y avait une pétition qui avait été classée en agriculture. C'était formidable. Voilà, on a eu des déboires dans tous les sens pour essayer de nous faire taire. Puis de toute façon, on a été censurés depuis le début et on continue à l'être. Hein. Oui, mais donc vous, finalement, vous placez où le curseur de la responsabilité ? C'est au niveau, ou les deux peut-être, au niveau du relais scientifique qui n'était pas au niveau, ou, et on sait, on connaît, on en a cité suffisamment, des médecins qui ont eux-mêmes des conflits d'intérêts qui font qu'ils n'auront pas forcément intérêt à relayer certaines informations, première chose, ou alors c'est au niveau politique et de la prise de position derrière. Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Quand on est au courant de tels effets secondaires avec une telle gravité, on n'a pas le droit de se taire.
Tout simplement, je veux dire que ce soit les politiques, que ce soit les scientifiques, on sait que ça peut tuer des gens, les rendre extrêmement malades ou les mutiler, comme on a dans le cas des hystérectomies. On ne peut pas se taire, de toute façon, quels que soient les conflits d'intérêts. Il y a un moment où le respect de l'humain est censé quand même passer au-dessus, et le respect de la vie. Et ici, il n'y en a pas du tout. De toute façon, on a bien compris que tout avait été bafoué. Il n'y a rien qui a été fait pour soigner. On avait l'ivermectine, il y avait plein d'autres possibilités. Rien n'a été employé. Et sur l'ivermectine, on a injecté les gens avec un produit qui était quand même extrêmement toxique. Mais, et on continue, vous parlez au passé, ça continue. Oui, et là, justement, j'allais dire, et là, on continue avec un ministre de la Santé qui se permet de dire, alors qu'il y a des chiffres qui sont officiels partout et qui ne peut pas ne pas savoir, qu'il n'y a aucun effet secondaire. C'est-à-dire, on a été au Sénat, on a été au Parlement, il y a des dizaines de livres qui sortent, il suffit, ils contactent, je veux dire, pharmacovigilance, il y a un moment... Mais oui, il y a même pharmacovigilance, il y a même eu des remboursements pour des... C'est un mensonge très grave, quand même. Oui, non, c'est en effet très grave. Alors, parlons un peu de responsabilité pénale. Là, je vois beaucoup d'auditeurs en direct qui nous disent, mais finalement, ça fait 3 ans qu'on dit ça et il n'y a toujours rien. Est-ce que vous pensez, on a l'impression quand même que la balance se retourne. On voit bien d'ailleurs, même les médias très suivis, je sais maintenant, qui n'osaient même pas utiliser ce terme d'effet secondaire. Là, c'était sur France Inter qu'Aurélien Rousseau a parlé d'effet secondaire, mais Jean-François Delfraissy, c'était cette émission, alors j'ai plus le titre de l'émission, c'est l'hebdo, voilà. On peut pas faire plus mainstream. Et là, c'est les journalistes qui commencent à dire, mais qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez à cette jeune fille qui a des effets secondaires? On voit bien que finalement, tout le monde commence à reconnaître tout doucement et beaucoup trop tard, on est bien d'accord. Mais la balance est en train de s'inverser. Jean-Louis Imbert, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que finalement, on va enfin arriver à l'éclatement de la vérité et puis possiblement les responsabilités pénales derrière? Écoutez, sur la question de la responsabilité, pour moi, elle est politique. Mettez-vous à la place du ministre de la Santé, vous êtes dans un gouvernement, vous voyez que les agences de pharmacovigilance produisent des statistiques sur, sur des effets secondaires dont même l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en France reconnaît que plus ou moins 25% sont graves. Vous êtes ministre de la Santé, vous voyez donc des effets secondaires qui surgissent de manière inédite dans toutes les agences de pharmacovigilance, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, etc. Vous savez qu'il y a un médicament qui s'appelle l'ivermectine, dont la molécule ne coûte pas cher et qui permettrait de soigner à tous les stades de la maladie et qui peut même être utilisé de manière préventive. La décision, elle est simple à prendre. Alors, pourquoi n'est-elle pas prise? Moi, je dis que c'est volontaire. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas imaginer que le ministre de la Santé ne soit pas informé de ces deux faits. Premièrement, une montée en puissance des effets secondaires, comme ça ne s'est jamais vu dans la vaccination. Et je précise que les effets secondaires qui sont recensés ne représentent qu'environ moins de 5% des effets secondaires réels. Et ensuite, l'existence d'un médicament qui est l'ivermectine, qui permet de soigner. Ce n'est pas possible que le ministre ignore ces deux données. Oui. Ou alors le gars, il faut qu'il change de métier. Alors, vous parlez dans votre livre de mensonges d'État et vous rappelez, parce qu'il faudrait qu'on tente de comprendre un peu comment ils peuvent aller jusqu'à mentir à ce point-là, la corruption au niveau politique. Vous parlez notamment de l'armée américaine qui finance les armes biologiques et même les vaccins à ARN messager. Donc, on voit bien ici des conflits d'intérêts très graves. Bon, nous, on a vu en tout cas l'affaire McKinsey avec du conseil privé américain qui conseille aussi Pfizer, qui était directement intégré dans nos ministères. Donc, on voit toutes ces questions de conflit d'intérêts dans nos gouvernements. Est-ce que c'est une des explications, en tout cas, Jean-Louis Imbert? Écoutez, oui, parce que vous avez vu l'enquête que je produis avec « Tous vaccinés, tous en danger », où Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche du CNRS, explique pourquoi les vaccins sont dangereux. Vous avez vu comment on procédait, j'explique, j'ai remonté toute la filière, comment des chercheurs qui collaborent à l'OMS se sont permis de modifier une étude qui était positive sur l'ivermectine de manière à la déconseiller, à la faire déconseiller par l'Organisation mondiale de la santé. Tout à fait. Donc là, il y a effectivement, je veux dire, ces chercheurs ne sont jamais revenus sur la décision, malgré les preuves qui existent scientifiquement, mais aussi pratiquement, de l'efficacité de l'ivermectine.
C'est simple, puisque le chercheur qui a modifié cette étude siège au comité de l'Organisation mondiale de la santé, qui met régulièrement à jour les recommandations pour l'utilisation des médicaments à travers le monde. Et l'OMS a déconseillé donc l'utilisation de l'ivermectine le 31 mars 2021. Et puis, alors, l'ANSM, bon, comme ils ont un peu le sens de l'humour, eux, c'est le 1er avril. Alors, ils ont pris cette décision en suivant, bien sûr, les recommandations qui étaient données par l'OMS et par l'Agence européenne des médicaments. Oui. Donc là, vous voyez, il y a la volonté, il y a vraiment la volonté de faire barrage à un médicament qui soigne, qui ne coûte pas cher, chercher à qui profite le crime. Oui, bien sûr. Mais justement, dites-le nous. Aux fabricants de vaccins ARN messagers. Qui sont justement, on l'a dit, et vous le citez dans votre livre, et nous on a vu d'autres effets de conflit d'intérêts avec McKinsey en France, qui sont en lien direct avec les membres de notre gouvernement, Mélodie Ferron. Oui. Donc, c'est bien ça. Ouais. Je pensais à quelque chose par rapport à Aurélien Rousseau, il me semble que sa femme, elle serait quand même bien placée pour lui donner des données sur les effets secondaires si vraiment il les ignore. Oui, alors ça, on peut en parler aussi. C'est intéressant, c'est tout un système qui se tient familialement presque, hein, qui s'entraide. Vous parlez de... Donc c'est un jeu de cette famille. Hein. Oui, exactement. Donc là, vous parlez de la femme d'Aurélien Rousseau. Est-ce que vous pouvez expliciter pour nos auditeurs? Donc Marguerite Cazeneuve, elle dirige en gros l'ARS, quoi. On a aussi le mari d'Agnès Buzyn, Yves Lévy, j'étais en train d'y réfléchir justement, qui participe à l'inauguration, qui a participé à l'inauguration du laboratoire P4, qui a participé en tout cas à la mise en place de ce laboratoire P4 à Wuhan. Le fils d'Agnès Buzyn récemment, qui a été nommé conseiller prévention et santé au cabinet du ministre de la Santé. Donc on voit que tous ces gens-là, bon, ils partent, ils reviennent, mais bon, en tout cas il y a des intérêts presque claniques, familiaux en tout cas. Qui ne vont pas dans le sens d'une émergence de la vérité et d'une objectivité, en tout cas sur ce qui a pu être fait avant et après. Forcément, quand on a sa mère qui est passée juste avant, on ne va pas forcément la dénoncer. Donc ça pose beaucoup de questions. Évidemment, ce n'est pas interdit d'avoir une fille ou un fils qui sont nommés convention en prévention, mais sur la question de l'objectivité et de l'apparence d'objectivité, je rappelle que c'est obligatoire normalement en justice, on est quand même, cela pose beaucoup de questions. Et alors qu'on est justement dans ces questions de corruption, il serait bon de remettre les choses au clair là-dessus. Jean-Louis Zambert, donc vous pensez finalement que là, les procès qui vont avoir cours, qui sont dans ces dernières plaintes pénales contre Aurélien Rousseau, on a dit Agnès Buzyn et puis les autres, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça va porter ses fruits? Ou est-ce que là encore, on risque d'avoir des blocages? Écoutez, le mérite des plaintes qui sont déposées, déjà, c'est qu'elles font parler du sujet. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas s'imaginer, n'imaginent pas qu'un responsable de l'État, un ministre de la Santé, puisse les tromper ainsi. On a vu ce qu'il en était avec Mme Buzyn, on a vu ce qu'il en était après avec Olivier Véran, on voit ce qu'il en est aujourd'hui avec Aurélien Rousseau. Tout continue comme avant, comme si rien n'existait. Ensuite, pour qu'il y ait justice, il faut encore qu'il y ait une justice. Quand vous voyez dans quel état est le système judiciaire français, pour cela, je me réfère aux enquêtes qui sont faites régulièrement par le comité qui travaille sur justement l'état des systèmes judiciaires au niveau des pays de l'Union européenne. La France est l'un des derniers pays de l'Union européenne pour l'efficacité de son système judiciaire, que ce soit par le nombre d'avocats pour 100 000 habitants, que ce soit par le nombre de procureurs, par le nombre de tribunaux, par les délais d'attente, etc. etc. Alors, quand vous mettez en cause des personnalités politiques dans tout secteur, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, vous en entendez beaucoup parler au début. Ah, il y a une plainte qui est déposée devant la Cour de justice de la République. Ah, il y a une plainte devant le Conseil d'État. Puis après, pouf, plus rien. L'affaire disparaît pratiquement comme s'il n'y avait pas eu de... C'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que finalement, on ne risque pas d'avoir... on a très souvent ici Régis de Castelnau qui nous parle de justice politique. Une justice politique, une justice à deux temps qui traînerait 30 ans pour considérer qu'il y a eu des fautes graves de ce gouvernement. Écoutez, vous avez la réponse avec ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Quand vous voyez qu'il y a des eurodéputés qui posent la question...
de savoir que madame, que la présidente de la Ursula Commission européenne vienne s'expliquer devant le Parlement européen et qu'elle ne se présente toujours pas. Qu'elle a eu directement avec le président du groupe Pfizer et que tous les députés de tous les groupes et que pardon, que tous les présidents de tous les groupes politiques se mettent d'accord entre eux pour qu'elle n'ait pas à s'expliquer, vous imaginez bien que de ce qui va se passer à Paris. La plainte qui est déposée, si elle aboutit, je dis tant mieux, mais personnellement, je n'y crois pas. D'accord. Mélodie Ferrand, de votre côté, vous pensez que les actions en pénales peuvent porter fruit, et ce sera notre conclusion à ce sujet sur, sur les vaccins et les masques qui tombent, Mélodie Ferrand. Bah écoutez, je l'espère vraiment. Vous en êtes après, où, vous, donc vous avez joint votre, votre plainte à celle de professeur Perron et Xavier Zalbert. Vous avez d'autres procédures en cours ? Bah là, on a des procédures pénales pour des femmes qui sont en cours d'indemnisation, qui ont fait des expertises auprès de l'ONIAM et à qui on a proposé 1 000 euros pour un utérus. Donc voilà, nous, on est à peu près là. On a découvert que les expertises auprès de l'ONIAM étaient extrêmement compliquées, que si elles n'étaient pas accompagnées d'un avocat, elles se faisaient complètement balayer d'un revers de la main. Et également que pour une femme qui déclare avoir une souffrance de 7 sur une échelle de 0 à 10, bon, à chaque fois, il était rapporté suite à l'expertise qu'elle avait déclaré le niveau 1 de douleur. Voilà. Et ça, malgré tout, on a, en fait, on a beaucoup de mal à avoir quelque chose de vraiment honnête et avoir une réelle écoute. Donc maintenant, bah, elle part en pénal. Et puis, à un moment, il faudra attaquer les labos, quoi. Voilà. Et les labos, aujourd'hui, y a-t-il des associations qui ont commencé à attaquer ces labos ou pas ? On a l'impression qu'ils restent toujours préservés derrière, parce que là, on attaque les politiques, mais pas encore les labos. Bah, aux États-Unis, hein, mais en France, il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce sujet, hein, puisqu'ils sont extrêmement protégés. Mais bon, on y travaille. Vous connaissez Maître Prota, elle ne lâchera pas. Oui, elle ne lâchera pas, et nous non plus. Jean-Louis Zimbert, juste côté labo et plainte contre les labos, vous soutenez aussi ce travail qui doit être fait ? Ah oui, non, mais alors là, c'est pas difficile. Du reste, l'industrie pharmaceutique Big Pharma est l'industrie la plus corrompue avec celle de la grande finance et du secteur des énergies, du pétrole, et même devant l'armement. Du reste, le groupe FAI, vous avez deux champions en matière de corruption, en matière de délits et de crimes financiers. Déjà répertoriés. C'est Pfizer et McKinsey. Oui, tout à fait. Justement, ceux qui travaillaient avec nous et avec notre gouvernement. Merci beaucoup à vous deux, Jean-Louis Zimbert, Mélodie Ferron. Jean-Louis Zimbert, je rappelle ce livre que vous publiez, Tous vaccinés, tous en danger. Bon, vous avez laissé le point d'interrogation malgré tout. Un livre aux éditions IS, édition Mélodie Ferron, collectif Où est mon cycle et auteur de Où est mon cycle et toi, où est le tien aux éditions Marco Pieter. Merci beaucoup à vous deux d'être des lanceurs d'alerte et de continuer à vous battre sur tous ces terrains et notamment maintenant on en est au terrain pénal et c'est important aussi pour que la vérité éclate. Merci beaucoup à vous deux. On continuera et de ce dossier évidemment et de vous donner la parole. Et nous, eh bien, on va parler de duel maintenant. On va parler de l'éloge du duel de Bernard Lugan dans quelques instants et avant la chronique de Jean-Louis Tremblay. Le coup de marteau. Le coup de marteau aujourd'hui de Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous faites un petit peu une avance sur notre invité qui va suivre, Bernard Lugan, que vous connaissez bien du reste, qui va nous proposer son livre Éloge du duel, l'honneur au-dessus de la vie. Finalement, vous êtes en accord avec Bernard Lugan. Vous nous proposez aujourd'hui de repenser et de relire le livre Le duel de Joseph Conrad. Oui, exactement. Ça sera une petite introduction à notre invité Bernard Lugan, évidemment, qui prône le rétablissement du duel en matière de presse. Il va nous expliquer tout ça. Ah oui, on a hâte de le voir déclarer un duel à Edouard Plenel. Exactement, entre autres, premier sur la liste, mais pas le seul. Et à ce sujet, j'invite effectivement à découvrir ou redécouvrir à la fois un livre et un film. Alors, le livre, c'est une nouvelle de Joseph Conrad qui a été publiée au début du XXe siècle, en 1906-1907, qui s'appelle Le Duel, le voici, qui a été adapté au cinéma par Ridley Scott en 1977 sous le titre Les Duellistes. Film magnifique, clair-obscur, contre-jour, pureté esthétique absolue. Et on voit d'ailleurs ici, ça c'est Harvey Keitel qui joue l'un des deux officiers. Alors, ce qui est intéressant dans Le Duel, c'est que Joseph Conrad s'est inspiré d'une
une histoire vraie qui s'est passée pendant les guerres napoléoniennes, donc pendant 15 ans, dans cette grande boucherie collective que furent les guerres napoléoniennes de 1800 à 1815, eh bien, il s'est trouvé deux officiers de hussards, oui. Alors qu'il a renommé Ferraud et Dubert, et en vérité, qui ont existé et qui ont, à chaque fois qu'il leur a été permis, ils se sont provoqués et se sont battus en duel. Mmh. Alors, c'était difficile. Enfin, c'est surtout l'un qui provoque l'autre, en fait. Alors, c'est l'un qui provoque l'autre, effectivement. Mmh. Alors, celui qui provoque l'autre s'appelle Ferraud. Ferraud, lui, c'est un bonapartiste forcené. Sa vie, c'est l'empereur. Voilà. L'autre, oui. Dubert, est issu de noblesse de l'Ancien Régime. Oui. Donc, en fait, dans cet affrontement... Il paraît peut-être un peu plus opportuniste, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, plus suivi. Oui, puisque les... à la fin, on le voit très bien, à la fin, en 1815, finalement, Ferraud, qui lui... Ils ont tous les deux combattu valeureusement. Ils ont fait la retraite de Russie, etc. Mmh, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Simplement... D'ailleurs, juste pour la petite aparté, on les voit... on voit ce duel se mener pendant la bataille en Russie. Alors, donc, ils crèvent de faim, ils crèvent de froid, mais ils se retrouvent là, tous les deux, l'un à côté de l'autre. Ils se reconnaissent alors qu'ils sont défigurés par le froid, par la faim, par la douleur. Et donc, ils vont recommencer un duel. Et là, on voit les Russes qui arrivent. C'est une image. Cosaques, exactement. Des Cosaques, oui, c'est des Cosaques, vous avez raison de le préciser. Ouais, ouais. Et qui arrivent et qui les encerclent et qui les prennent pour des fous, ces Français, en fait, qui veulent. C'est un petit peu vrai, parce que, bon, Ferraud est un furieux, en réalité. Bon, ouais. Il provoque Dubert pour un motif futile, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, au bout de toutes ces années et d'une demi-douzaine de duels, de toutes sortes, hein, à l'épée, au sabre, à cheval, à pied, au pistolet, mais finalement, toute l'armée est au courant de ce duel entre ces officiers, mais personne ne sait pourquoi. Et en fait, c'est un motif que tout le monde a oublié, y compris les deux protagonistes. Et c'est ça qui est formidable. Finalement, Dubert ne sait pas pourquoi Ferraud le provoque en permanence, mais pour l'honneur, et pour l'honneur, c'est d'ailleurs le sous-titre du livre de Bernard Lugan, pour l'honneur, évidemment, à chaque fois, il répond oui. Oui. À ses provocations. Oui. Oui, c'est sûr que lui, il tient pour l'honneur. Ferraud, il a peut-être sa raison, mais qu'on ignore en tout cas dans le film, qu'on a du mal alors, à comprendre. Ferraud, est-ce que ce que Bernard Lugan appelle un duélomaniaque, parce que ça commence comme ça. Au début, au cours d'un duel à Strasbourg, il blesse le fils du maire de Strasbourg. Mm. Bon, voilà, et c'est comme ça que ça commence. Le général qui tient garnison à Strasbourg, entre deux guerres, dit non, c'est pas possible, parce que voilà, il a les politiciens sur le dos, si vous voulez. Le duel est reporté. Donc voilà, donc il fait envoyer. Il envoie Dubert quérir Ferraud pour lui signifier qu'il est aux arrêts. Voilà. Ferraud ne le supporte pas, alors que finalement Dubert n'est qu'un messager. Mmh. Il est officier d'ordonnance. Voilà, c'est un messager, tout simplement. Mais à travers ça, évidemment, il y a deux conceptions du monde, si vous voulez, deux visions du monde. D'un côté, l'Ancien Régime. Bien sûr, Dubert se bat, c'est un très bon officier, il fera la guerre comme les autres, mais il n'est pas issu du même milieu. Ferraud, lui, n'existe que par l'empereur, comme ce fut le cas de bien des généraux, des maréchaux d'Empire, bien si sûr. Vous voulez. Mmh. Et donc, là, on a deux mondes. Et à la fin, Ferraud, lui, se retrouve assigné à résidence, c'est un demi-sol, il traîne, voilà, c'est un loqueteux, finalement. Mmh. Alors que Dubert fait un beau mariage, et on va lui confier, d'ailleurs, un corps d'armée à commander. Mmh. Voilà. Parce que lui, à la Restauration, finalement, il revient dans l'armée, alors que l'autre, on est exclu. Ouais. Et d'ailleurs, l'honneur va jusqu'au bout, puisque pour ce qu'on dit la fin de l'histoire, Dubert finalement finit par gagner ce duel contre Ferraud, et au lieu de le tuer, presque par reconnaissance pour cet ennemi digne et éternel, lui dit écoutez, maintenant arrêtez de m'embêter, disparaissez de ma vie. Voilà. Exactement. En fait, donc c'est un affrontement au pistolet, ils ont deux pistolets chacun, donc voilà. Ferraud tire les deux coups, rate Dubert, et puis Dubert se retrouve face à lui. Il a tiré qu'une fois, donc il dit voilà, maintenant votre vie est entre mes mains. Voilà. Mmh. Maintenant, pendant des années, vous m'avez provoqué, etc. L'honneur commande que vous me remettiez votre vie. Mmh. Et donc, moi, je vous la laisse cette vie. Et vous allez expier jusqu'à la fin. Mais d'un autre côté, Dubert va lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, parce que ce demi-sol n'est plus rien, Ferraud n'est plus rien. Mmh. Il y a tout un questionnement d'ailleurs. On va poser la question à Bernard Lugan. Fallait-il achever ou pas cet ennemi, ce dueliste qu'est Ferraud ? On en parle et on donne la parole tout de suite à Bernard Lugan concernant cet éloge du duel. Nouveau livre qu'il vient de publier sur l'honneur qui doit être au-dessus de la vie. C'est un livre aux éditions La Nouvelle Librairie. «
Le point de départ, c'est quand même qu'on a un état défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice. Et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Je suis donc très heureuse d'inviter notre invité à la volée. La matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. Notre invité est Bernard Lugan. Bonjour Bernard Lugan et merci beaucoup d'être avec nous et merci pour ce livre. Bonjour Clémence. Je rappelle à tous ceux qui ne vous, je sais pas, qui ne vous connaîtraient pas, mais c'est impossible. Vous êtes historien africaniste, vous avez enseigné à l'université Lyon 3, à l'école de guerre, à Saint-Cyr-Couette-Quidan. Vous tenez la revue L'Afrique réelle, disponible sur votre blog L'Afrique réelle. Et vous êtes auteur d'un très grand nombre de livres, mais celui-ci aujourd'hui qu'on vous présente, chers amis, Éloge du duel, l'honneur au-dessus de la vie, aux éditions La Nouvelle Librairie. Un livre qui permet aujourd'hui de parler d'honneur, déjà, un mot qu'on a complètement oublié dans notre société contemporaine. Et pour commencer, eh bien, je ne peux m'empêcher de lire votre introduction, qui est brillantissime. Alors, vous expliquez pourquoi ce livre. Après avoir gagné, je vous cite, hein, une vingtaine de procès contre des journalistes, et après que je les eusse épinglés à mon tableau de chasse, les mêmes attaques continuèrent, et dans les mêmes termes. Mes victoires, qui n'avaient eu aucune utilité pédagogique, n'avaient donc pas servi de leçon au spadassin de presse, pour une simple raison. Ces intellectuels précaires ne sont pécuniairement pas responsables de leur déjection épistolaire, puisque les frais de procès sont soldés par leurs employeurs. Ayant donc compris qu'il était inutile de continuer à enrichir la basoche en intentant des actions en justice, je me suis alors tournée vers le duel. Car qu'on le veuille ou non, ce dernier est en effet le moyen le plus rapide, le plus efficace et le moins onéreux de rendre enfin prudent, plumitif, stipendier, acrobate du micro, buteur de la sous-culture et bescu de l'idéologie dominante. Voilà. Ouais. Repos, vous pouvez fumer. Oui, c'est ça. Alors voilà pourquoi vous avez décidé de fonder une association pour le rétablissement du duel en matière de presse. Alors racontez-nous d'abord cette aventure de cette association. Alors, donc c'est simple. J'ai gagné une vingtaine de duels, de procès contre tous ces journalistes. Je dois dire d'ailleurs que mon niveau de vie a beaucoup baissé depuis que je ne fais plus de procès, parce que ces procès m'ont permis de restaurer une très belle cheminée du XVIe siècle. Ça, c'est le canard enchaîné. VSD m'a refait une partie de ma toiture. Ça, c'est pas mal. C'est intéressant, quand même. C'est pas mal. Et puis, j'ai eu d'autres petits... Alors depuis qu'il n'y a plus de procès, écoutez, mon niveau de vie a baissé. Je fais moins de restauration chez moi. Mais donc, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de faire des procès. Parce que les mêmes attaques recommençaient. Regardez, par exemple, l'archétype du journaliste poubelle qu'est Plenel. Dans son journal, il y a encore quelques jours... l'on me traite d'universitaire autoproclamé. Voilà, je suis titulaire de l'enseignement supérieur, docteur d'État, etc. Je suis un universitaire autoproclamé. Bon, écoutez, là, quelques centimètres d'acier sont en principe la meilleure réponse à ce genre de choses. Alors, comme les attaques continuaient, je me suis dit, bon, changeons de genre. Et j'ai créé cette association pour le rétablissement du duel en matière de presse. Alors c'est assez amusant parce que j'étais tout seul à créer cela. Et puis tout à fait par hasard, je me retrouve dans une réunion avec Vladimir Volkov, qui est un sacré sabreur. Et je lui propose, il me dit, mais Bernard, et vous êtes tout seul? Avez-vous besoin d'un vice-président? Vladimir, mais bien sûr. Et donc Vladimir devient mon premier vice-président. Et le deuxième vice-président, c'est Dominique Vénère. Vous vous rendez compte? Donc nous n'étions que trois membres dans l'association. Dominique Vénère, Vladimir Volkov et moi. Alors imaginez... Vous refusez tout don d'ailleurs dans cette association. Vous refusez les dons, on ne peut pas faire de dons à l'association. Pas de dons ni d'adhésion, pas du tout. Non, tout à fait.
Et alors, imaginez les rédactions, aussi bien de droite que de gauche, hein, parce que ça s'est passé aussi bien à droite qu'à gauche, qui voient arriver un matin Vladimir Volkov et Dominique Vénère, disant voilà, nous sommes les témoins de Bernard Lugan, qui a été diffamé ou insulté par monsieur Untel de votre rédaction. Et nous venons pour que vous demandiez à M. Untel qu'il déclare témoin pour que ces témoins se rencontrent avec ceux de Bernard Lugan. Je précise que dans le code du duel, nous ne sommes pas du tout dans les duellistes. Hein. Dans les duellistes, ils se battent directement. À la limite, non, ce n'est pas ça. Le code du duel, c'est un code... Déclaration. Oui, il y a déclaration. Donc, on parlera un peu de l'historique, si vous voulez, tout à l'heure. Oui. Donc, vous déclarez témoin. Ces témoins vont voir l'adversaire et l'adversaire déclare lui aussi témoin. Et les témoins se réunissent. Ce n'est pas parce que les témoins ont été déclarés qu'il y aura combat, car les témoins décident s'il y a matière ou pas à combattre. Et celui qui se sent offensé ne peut pas aller au-delà et au-dessus de la décision des témoins. C'est manqué à l'honneur. Donc, ces butors de... ces queplates de sous-préfecture auraient pu très bien dire « Bon, nous déclarons témoins. On n'était pas sûr de se battre. » Et à ce moment-là, les témoins pourraient dire « Non, il n'y a pas matière à témoins. Ça peut s'arranger. » Mais ils n'ont même pas déclaré témoins. Il faut dire... C'est scandaleux. Il faut dire que Vladimir Volkov et Dominique Vénère précisaient toujours que j'étais l'offensé. Donc j'avais le choix des armes et... Alors, quelles armes pour moi, c'est au sabre et à cheval. Voilà. Alors, ils sont partis tout simplement. Ils partaient en courant. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas trouvé le fond de sa selle. Tout le monde ne monte pas. Alors, je dis, mais dans ce cas, pas de problème. On se battra à pied. Pas d'arme à feu. Comme dit Alexandre Dumas, c'est une arme de voyou. Tandis que l'acier est une arme de contact. Non, le duel. L'arme à feu ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est le contact. Je veux voir les yeux de l'adversaire, le sentir de près et au contact. Moi, j'ai fait beaucoup de boxe française. J'aime le contact. J'aime le contact. Sensuel, presque, dans le duel. Ce parallèle est fait dans le livre. Je parle de ça, la différence du fer et l'acier par rapport au fer. La balle est folle. Seule la lame est droite. Et l'intérêt, c'est que tous les coups portent. Oui. Tandis que tous les coups portent. Mmh. Alors, on va revenir un peu sur l'histoire tout de même du duel. Ce qui est particulièrement intéressant, finalement, c'est que ce duel est prisé des bourgeois. On aurait pu croire, justement, que la bourgeoisie consensuelle, on va dire, tente à faire disparaître ce code de l'honneur. Et au contraire, elle se développe aussi la Révolution française. Se développe énormément après la Restauration, et avec la quintessence sous la Troisième République. Et bon, je donne des listes entières. Les duels étaient tellement nombreux à l'époque que le Figaro avait même une rubrique avec des journalistes spécialisés. Et je publie là dans ce petit livre, je cite l'annuaire du duel. Il y a eu un annuaire du duel qui relevait. Alors, dans le Figaro, vous aviez tous les jours la rubrique duel, duel qui était annoncé ou duel qui était raconté, etc. Il y a eu véritablement un âge d'or duel qui a été magnifié à l'époque du scandale de Panama et de l'affaire Dreyfus. Alors, ce qui est extraordinaire à l'époque, c'est que, aussi bien de droite que de gauche, aussi bien des réfusards qu'anti-réfusards, les gens se battaient. Il y avait des deux côtés, on sent qu'il y avait encore de la tripe dans ce pays. Il y avait encore de la moelle, il y avait encore du muscle. Parce que maintenant, imaginons les débats au moment de la loi sur les retraites votées. Les insultes qui ont été proférées contre ce pauvre petit Duchop, on dit Bambi, hein, Bambi effarouché, qui se fait insulter par les gens de LFI, le traitant d'assassin, etc. Et il tremble. Imaginez Cavaignac, imaginez Clémenceau, imaginez Blum, imaginez tous ces gens. Ça s'est réglé le lendemain sur le pré.
Il n'y a plus rien, c'est vrai. On sent que la moelle a disparu. Et puis, la parité. Vous avez, oui. Vous avez 50% de femmes qui sont députées. Vous me direz, attention, comme je le dis, oui. Il y a des, dans mon livre, j'ai deux chapitres sur les femmes qui se sont battues en duel. Tout à fait, très intéressant. Les députés LFI ou vaguement oui. République, je ne sais plus quels sont leurs noms, c'est autre chose. Ça, je raconte quelques anecdotes oui, de duels de femmes. Vous le racontez, en fait, il y a des duellistes femmes. Il y a des duels très connus. Exceptionnels, mais vraiment très, très connus. Notamment la Maupin. La Maupin qui est une jeune aristocrate qui a des tendances un peu lesbiennes, n'est-ce pas et qui s'habille toujours en homme et qui provoque en duel la plus belle histoire. Donc elle arrive, elle est invitée au bal du frère de Louis XIV, qui avait le petit défaut, comme on disait à l'époque. Et donc, elle est habillée en homme, et le frère de Louis XIV la prend pour un jeune chevalier, et il remarque, mais entre-temps, elle s'est glissée dans la foule, et elle va faire la cour à une très jolie femme, donc elle est habillée en homme, et elle est tellement pressante dans sa cour que la belle personne, qui paraît que c'est une des plus jolies femmes de la cour, commence à protester, et trois galants arrivent, prenant notre duelliste femme pour un homme, pour un jeune homme, la provoque. Elle sort avec eux, elle les tue tous les trois. C'est quand même extraordinaire. Et évidemment, ça fait un scandale terrible à la cour. Et les duels sont interdits à l'époque. Même peine de mort. Et le frère de Louis XIV va intervenir auprès de son frère. Et Louis XIV aura une phrase extraordinaire. Mais où est le problème ? Le duel est interdit pour les hommes, mais c'est une femme, donc il n'y a aucun problème. Donc tout passe à l'as. Et elle devient cantatrice. C'est la Maupin, très connue dans l'histoire. Oui. Personnage étonnant. Puis il y en a deux, trois autres comme ça qui sont intéressantes. Donc je ne parle pas que des hommes. Il y a quelques femmes qui ont tenu l'épée. Jean-Louis Tremblay. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le duel est très codifié, ça on le voit très bien au XIXe siècle, parfaitement codifié, qu'à une époque tout de même, Louis XIII et Louis XIV vont décider de l'interdire, pour une raison très simple, c'est que l'aristocratie est en train de se saigner, c'est une hémorragie. Il y a tellement de duels que... Richelieu sauve la noblesse française. Voilà, il sauve la noblesse française, c'est ce que vous expliquez, il la sauve, voilà. Alors ensuite, nous avons tout le XIXe siècle, et ça c'est intéressant, effectivement, et puis il y a... La rupture de 14-18. Ça, c'est la première rupture. Deuxième rupture, 39-45, évidemment. Et le dernier duel en France date de 1967. C'est Marquis de Cuevas contre... Non, c'est Gaston de Fer. Cuevas contre Serge Liffard. Avec Le Pen en tant que témoin. Voilà. Et l'autre, alors, le duel de Fer contre Rouvière, c'est sur un motif mais qui aujourd'hui nous ferait éclater de rire. Je crois que Rouvière avait traité de Fer d'abruti. C'est anodin. Totalement anodin. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, Duchamp se fait traiter d'assassin, il ne répond pas. Vous voyez, alors encore plus lamentable, je ne sais plus, ce député, les Républicains, qui se fait adresser un bras d'honneur par le garde des Sceaux et qui ne se bat pas. C'est quand même incroyable. Racontez-nous, puisqu'on est dans les duels historiques, justement celui où Jean-Marie Le Pen était témoin donc, de ce duel entre le marquis de Cuevas, directeur des ballets de Monaco, avec le danseur et chorégraphe Serge Liffard. C'est une querelle de danseurs sur laquelle je ne m'étendrai pas. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc Serge Liffard était beaucoup plus jeune que le marquis de Cuevas. Et bon, ils se sont battus, je ne sais plus, pour une histoire de... Comment Jean-Marie Le Pen est arrivé ? Jean-Marie Le Pen était un ami du marquis de Cuevas. Et bon, le duel s'est déroulé. Je crois que il n'y a pas eu de gros dégâts, je crois. C'est le dernier duel, oui, effectivement. C'est un des derniers duels officiels. Alors, vous le regrettez, ça, parce que justement, à la fin, dans votre épilogue, quand même, le titre, c'est « De l'urgente nécessité qu'il y a à former les journalistes au combat au sabre et à l'épée ». Et vous avez d'ailleurs adressé une lettre au ministre de l'Éducation nationale, double avec copie au garde des Sceaux. Racontez-nous cette lettre. Alors, donc, je t'ai...
au bout de nombreux procès, etc., contre les butors de la sous-culture médiatique, j'ai décidé de créer cette association. Et je pense que non seulement cela aurait une grande valeur pédagogique, mais cela permettrait de désengorger les tribunaux. Parce que quand vous avez la malheureuse 17e chambre qui est engorgée de procès de presse, imaginez si en amont cela pouvait être réglé sur le prêt, ou même cela pourrait être réglé par les témoins et qu'il n'y ait pas de rencontre sur le prêt, imaginez les économies qui seraient faites pour la justice. Ces magistrats pourraient s'occuper d'autre chose de plus important que des déjections de presse. Et, mais pour cela, encore faudrait-il que les journalistes et la moelle... Et la formation, parce que vous prenez le rétablissement d'un cursus. Dans le cursus du journalisme, obligatoire. Une formation à l'escrime, avec maître d'armes et compagnie. Voilà, maître d'armes. Et également l'équitation, il faudrait quand même que l'élite des surtout pour vous, surtout pour vous. Voilà, sinon vous allez vous ennuyer. Ah oui, il faudrait que l'élite. Vous n'êtes pas un fantassin, vous êtes un cavalier. Mais absolument, il faut que l'élite. Voilà, absolument. Il faut que l'élite des journalistes qui se battent en duel se battent au sabre et à cheval. Parce que, vous voyez, le duel au sabre et à cheval est quand même assez merveilleux. Il est bien représenté dans le film Duelliste, parce qu'en fait, on est debout sur la selle. Et le sabre en avant. Mmh. Et alors, à la fois, il faut vraiment faire corps avec son cheval. Et l'animal prend plaisir, d'ailleurs. L'animal sent qu'il y a quelque chose. Alors, vous travaillez uniquement avec les jambes. Hein. Vous avez uniquement les jambes, l'assiette. Et là, on est mort. Mmh. Ou on passe à côté, ou on est mort. C'est clair. Donc, il faudrait rétablir ça au cursus obligatoire. C'est-à-dire, tout journaliste qui ne serait pas capable de passer le concours de sabre ou d'épée, ou effectivement l'équitation, n'aurait pas son diplôme de journaliste. Oui, en fait, il faudrait subordonner l'octroi de la carte de presse à une formation. Encore plus important que l'orthographe. C'est fondamental. Mais pourquoi perdre un camp plus, oui, ça c'est sûr, pourquoi plus les journalistes que le reste de la population française? Parce que, revenons sur, d'ailleurs, votre sous-titre également, l'honneur au-dessus de la vie. Cet honneur, il manque à tous, pas seulement aux journalistes. Oui, mais écoutez, moi je ne peux pas, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, et vous avez vu que je ne suis pas la plus belle fille du monde. Moi je me suis attaché vous déjà. Vous concentrez sur. Je me suis attaché à. Comment dire, à une profession sinistrée, qui est la profession journalistique, qui est une profession d'intellectuel précaire. Je pense que cette profession mériterait d'être prise complètement en main. Parce que si déjà cette profession était reprise en main, beaucoup de déviances de notre société seraient épargnées. C'est pour ça qu'il faut commencer, comme je dis, il faut liquider. Enfin, comme c'est la phrase de Jean-Louis. La phrase d'Anouille, les professeurs d'histoire et les journalistes devraient être tués au berceau. Au berceau. Exactement. Oui, parce que ce qu'il faut quand même pour comprendre. Je suis professeur d'histoire. Pour comprendre votre raisonnement, c'est que il faut un point de droit. C'est que, en fait, en matière de presse, le journaliste n'est pas responsable de ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il peut diffamer. À sa guise, de toute façon, il n'est pas responsable parce que c'est le directeur de la publication qui va payer les frais de justice. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant, à l'époque des duels, je donne des exemples, donc de journalistes qui diffament. Et or, ces journalistes n'osent pas se battre. Il y a déjà des lâches à l'époque. Ou bien ils sont chargés de famille, etc. Eh bien, le directeur de la rédaction... Va se battre au nom de... Ah oui, c'est autre chose que de payer une amende. De gauche ou de droite, il y avait de la moelle, il y avait de la tripe. Mmh. Alors, ce qui a disparu. Vous m'imaginez arrivant à Mediapart, et vous voyez, le journaliste se dégonfle et plein aile, dit « bon, je relève le défi ». Alors aujourd'hui... Je ne me battrai pas contre lui, parce que ça serait sans pitié. Aujourd'hui, c'est votre rêve, qui vous provoquez? Ah ben si... Si je devais me battre en duel, mm-hmm. si le duel était autorisé, oui. et s'il était capable de tenir un sabre, moi c'est Plenel. Vous avez tenté quand même de déclarer témoin à Mediapart? Ah non, parce que maintenant, non, parce que mes deux témoins sont morts. Mais on peut en trouver d'autres. Est-ce que vous voulez qu'on lance un appel à Edith Plenel? Un appel à témoins? Vladimir Volkov et Dominique Vénère sont morts, et voilà. Et puis maintenant, je commence à être à un âge où... à cheval, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas encore. Mais j'arrive à un âge maintenant où il faut laisser chaque âge à ses plaisirs. Et non, mais si je devais me battre en duel, ça serait vraiment... De toute façon, le pauvre, vous avez vu à quoi il ressemble. Ça serait trop inégal.
Alors, j'ai une question plus large. Vous avez parlé de lâche, justement, de la lâcheté aujourd'hui de la société moderne qui n'oserait pas apprendre le fer. Théophile Gautier a dit « L'abolition du duel achèvera de nous rendre le peuple le plus grossier de l'univers. Tous les lâches, sûrs de l'impunité, vont devenir insolents. » Mais c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est l'abolition du duel qui a rendu lâche, ou c'est parce que nous sommes lâches que nous avons peur du duel? C'est la poule et l'œuf. En fait, dans ce qui s'est passé, le grand problème, c'est le recours aux tribunaux. Le juridisme. Oui. Alors bon, après la boucherie de 1914, il y a eu un moment où on dit, bon, ça va. On s'est trop battu, etc. On ne va pas recommencer. Donc, oui. Le duel est tombé. Ensuite, il y a eu une petite tentative de petite renaissance, et puis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis maintenant, le recours à la justice. C'est terrible. C'est terrible. Alors, parce que le duel, en fait, a été une sorte de contrat. Un contrat civil qui était passé entre les deux combattants. On soustrayait, à la société le droit d'intervenir dans une querelle privée, et les duellistes, par leurs témoins, signaient une sorte de contrat sous un privé. Mais maintenant, c'est plus possible. Et d'ailleurs celui qui refusait le duel, donc... Il perdait son honneur, on établissait un certificat de carence. Alors moi, je l'ai envoyé plusieurs fois. Mon certificat de carence, plusieurs fois, je l'ai envoyé dans les journaux. Donc, en principe, je parlais grec ancien, parce que lorsque je dis au rédacteur en chef, donc votre journaliste a reçu le certificat de carence, donc plus aucun homme d'honneur ne lui laissera la parole. Mais comme votre rédaction est composée de gens qui n'ont pas d'honneur, donc continuez à l'adresser la parole. Non, le certificat de carence, en d'autres temps, mettait aux bandes de la société celui qui l'avait reçu. Cette certificat de carence. Mais discussion plus large, si on sort seulement du duel, mais qu'on va sur l'honneur. Est-ce que vous pensez aussi qu'on a complètement abandonné cette notion, cette valeur de l'honneur? Mais c'est qu'on l'a abandonné pour une raison très simple, c'est que si vous défendez votre honneur, vous allez en prison. Si vous défendez votre honneur, même sans se battre en duel, vous mettez votre poing dans la figure à un mec dans la... vous allez en prison. Si vous défendez votre propriété privée, vous partez en prison. Vous partez en prison. Donc on est dans l'inversion complète des valeurs. On a tout supprimé. Le code d'honneur, la légitime défense, oui. tout ce qui est défense, des réalités qui comptent, est considéré comme un vice de nos jours. Ce qui fait que l'on arrive à une inversion complète des valeurs et une société qui va tomber. Elle va tomber. Moi je le vois. Je vois cette société qui tombe avec le regard de l'historien et le regard de la profondeur que peut avoir l'historien. C'est tout à fait intéressant de voir. Les Romains ne l'ont pas senti, cela. Oui. Là, on est du point de vue de la morale. Une société qui tombe, l'avait dit, la légitime défense, le code de l'honneur, tout tombe. Alors, actuellement, quand vous pensez qu'un policier qui se trouve dans une situation de légitime défense se dit « il vaut mieux que je risque de mourir » que de tuer celui qui m'attaque, car si je le tue, c'est l'opprobre sur mon nom, sur ma famille, moi je vais en prison. Il préfère ma vie, et il préfère mourir que... Non, bon, c'est terminé, ça ne va pas durer. Parce que la réalité des choses va faire que, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous allons arriver dans une situation de sauvagerie qui va faire que l'on va devoir reconstituer la féodalité. Car seule la féodalité peut nous sauver, car dans ce grand déclin, dans ce grand effondrement, il y aura un moment où les hommes qui ne veulent plus reculer planteront le glaive en disant « Maintenant, moi, je ne recule plus, rassemblez-vous autour de moi et on charge. » Bon, et là, il y en a... Les corps francs de 1919, Balticum, ce que Dominique Vénère explique très bien dans son Balticum. Et il y aura un moment où... et comme en face, l'État n'existe pas, il n'y a plus rien. Ce ne sont pas les Attales qui vont faire face aux Hordes, n'est-ce pas ? Et donc, il y aura sûrement des gens d'honneur et des gens de courage qui se lèveront. Pas ma génération, parce que moi, depuis longtemps, je n'aurais plus mal aux dents, mais vont arriver forcément du tréfonds des gens qui vont réagir
et l'on recréera la féodalité. Car la féodalité, c'est cela. C'est un regroupe entre gens d'honneur, entre gens qui ont décidé de ne pas reculer, et on remontera une société pour 1000 ans, qui ensuite s'effondrera avec un nouveau 1789 par des rois qui seront incapables de défendre leur trône. Point de vue cyclique, Bernard Lugan. Mais restons tout de même à notre époque. Non, mais c'est très intéressant ce que vous êtes en train de... Mais c'est important de voir la longue durée. Mais tout à fait. Et on y arrive. Comme vous le dites, on est déjà dans ce phénomène. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous appelez au duel, au retour du duel, évidemment, ça ne va pas se faire, on le sait pertinemment. On le sait d'autant plus qu'aujourd'hui, on a parlé un petit peu de défense, même de chasse. Aujourd'hui, les armes, les armes des chasseurs, sont c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui d'avoir une arme chez soi. C'est criminalisé. On a vu cet appel, je crois que c'était l'année dernière, pour la récupération de toutes les vieilles armes de famille. Donc, de toute façon, il y a une tendance. Des crétins de ma génération. Ma génération est une génération qui, heureusement, va disparaître rapidement avec, avec les mauvaises grippes. C'est ma génération, c'est la génération criminelle de l'histoire, la génération des baby-boomers. Moi, je les ai connus à 20 ans, habillés en garde rouge chinois et qui maniaient le petit livre de Mao. À 30 ans, ils ont voté Hollande. Aujourd'hui, ils sont à la retraite et ils lisent les cours de bourse et ils votent Macron. Ils se font vacciner 10 fois. Et ils achètent des camping-cars. Et donc, et ils rendent les armes. Bon, bah, écoutez... Mais vous avez raison, Clémence. Le problème des armes, c'est important. C'est fondamental. On est quand même dans une société plus que paradoxale. On est au-delà du paradoxe. C'est-à-dire que, finalement, aujourd'hui, nous avons un État qui désarme des citoyens totalement inoffensifs, intègres et honnêtes, puisqu'ils se rendent eux-mêmes au commissariat pour donner leurs armes. Que dans le même temps... Parlez bien dans le micro. C'est très bien qu'on peut trouver une Kalachnikov sur le marché noir. Enfin, ceux qui veulent vraiment porter des armes, portent des armes. Non, mais on a de l'artillerie lourde dans les caves des banlieues françaises, partout. C'est clair. Et vous êtes condamné à rendre le vieux 12 du grand-père. Oui. Écoutez. Alors, en ville, à la campagne, non. Ce qui fait qu'une fois de plus, on verra les urbains qui se feront mener comme un troupeau de moutons à l'abattoir. Mais dans nos campagnes, vous voyez, dans les monts du Forêt, dans le Bourbonnais... Là où vous chassez. Les vieilles habitudes, prises pendant les périodes troubles, et notamment pendant celle de la période de la Deuxième Guerre mondiale, les paysans ont planqué leurs armes. Ils ne vont pas les rendre. Et chez nous, dans les monts du Forêt, dans le Bourbonnais, les hordes ne viendront pas. Hein. Mais c'est justement ça qui est intéressant. On voit l'État qui se crispe et qui fait un appel à rendre les armes. On sent justement la peur d'un code de l'honneur, de personnes qui voudraient se faire justice eux-mêmes, puisqu'il y a un abandon du côté étatique. C'était très intéressant de ce point de vue-là, ce que vous racontiez avec le contrat sous sein privé, enfin un contrat privé qui règle les affaires entre soi. C'est justement tout ce que l'État craint aujourd'hui. Et d'un autre côté... On n'a jamais vu, parce que ça c'est d'un côté, mais de l'autre côté, on n'a jamais vu autant de personnes qui prenaient des cours de tir, qui légitiment donc le fait d'avoir un port d'armes ou qui passaient le permis de chasse. Mais c'est parce que c'est le seul moyen de, si vous voulez, il y a que deux façons. La législation sur les armes est extrêmement complexe, mais vous avez deux moyens de détenir une arme, c'est soit vous avez un permis de chasser, soit vous avez une licence de tir sportif. On est bien d'accord. Voilà, c'est pour ça que les gens le font, je pense. Mais même avec une licence de tir, vous n'avez pas le droit. Et encore, vous êtes obligé de déclarer l'arme. C'est-à-dire en vérité, comme disait Bernard, il y a des gens qui n'ont pas déclaré, et ils ont bien raison. Parce que si vous déclarez, évidemment, le jour où il y a un problème, on vient chez vous, les gendarmes arrivent et c'est terminé. Alors moi qui chasse encore un peu, j'ai dû déclarer mes armes. Parce que si je me déplace en voiture pour aller chasse à 20-30 km chez moi, si je suis arrêté par les gendarmes avec une arme qui n'est pas déclarée, je vais en prison. L'intérêt du permis de chasse, c'est que ça vous permet... Et quand vous dites que c'est pour chasser du pigeon... Ah ben oui, du pigeon. Et alors, moi j'ai toujours aux jeunes, hein, on me dit que conseil, moi je n'ai pas donné de conseil, mais il y a trois choses à faire à l'heure actuelle. Un, la réserve militaire, parce que ça permet d'être au contact des armes et de l'organisation. Deux, le permis de chasse. Pour avoir le droit de détenir à la maison un bon 12 avec du plomb zéro, avec ça vous tenez une rue. Hein. Et puis le sport de combat. Hein. Faire un sport de combat, c'est beaucoup plus que les pots de lapin universitaires. Hein. Enfin, quand vous avez ces trois éléments, déjà, vous savez que vous allez pouvoir évoluer, au moins tenir une position. Défendre les positions déjà. Voilà.
Alors, moi, vous savez, moi, j'ai compensé le duel par la boxe française. Mais, sport de contact. Contact, oui, contact. J'ai encore utilisé il n'y a pas très longtemps dans les rues de Lyon, qu'un crétin qui est arrivé en face de moi avec une trottinette sur le trottoir. La trottinette est partie sur la route et lui sur le capot de la voiture. Voilà. Il faut. Bref. En vieillissant, je deviens un peu énervé. Un peu misanthrope. Jean-Louis Tremblay, une conclusion peut-être sur ce duel aujourd'hui et surtout le sens de l'honneur qui tend à disparaître. Ah, bien sûr, parce que c'est évidemment. Alors, ça n'est pas, ce que n'est pas ce livre, évidemment, ce n'est pas une anthologie du duel. Ah, non, ça, vous le dites très non, bien. Non, pas du bon, tout. Pas bon, du c'est tout. Un éloge du duel, c'est un exercice littéraire aussi. C'est très drôle. Hein, c'est très drôle. Avec de belles citations. Avec de littéraires. Belles références. Ouais, avec, nous avons là toute la littérature française qui défile. La différence entre Proust et Dumas. Voilà. Le baron Charlus et Alexandre Dumas. Enfin, bon, tout ça est merveilleux. Donc, il faut le lire parce que c'est d'abord de la littérature. Voilà. Et comme vous l'avez dit, avec beaucoup d'humour, un sourire aussi. L'humour à la Lugan, on va dire. Oui, toujours. Oui, avec des petits airs d'Edmond Rostand. Placide. Une précision d'ailleurs qui est faite, puisque Élément aussi vous met en couverture de son. Une photo magazine. Intéressante. Oui, exactement. La couverture est intéressante. Ah oui, on voit en tenue. Oui. En tenue. Avec ma canne épée. Avec votre canne épée. Avec ma canne épée qui est merveilleuse. Un vieillard comme moi peut marcher avec une canne. Et surtout avec une canne épée. Et alors, une dernière précision, parce que je trouve ça très intéressant. Catherine Deneuve, l'actrice, célèbre actrice, elle-même milite ardemment en faveur d'un retour du duel pour les affaires d'honneur. Oui. L'idée que l'on puisse dire les pires horreurs de façon totalement anonyme me terrifie. Je suis pour le retour du duel, avait-elle confié à Paris Match. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Mais voilà quelqu'un qui est d'accord avec vous. J'ajouterais pour terminer que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Parce que avec les réseaux sociaux et l'anonymat, les gens disent n'importe quoi. Oui. C'est vraiment le domaine du n'importe quoi. C'est le cadre du commerce à l'échelle internationale. Ouais, Donc plutôt que de contrôler les réseaux sociaux comme tente de le faire la Commission européenne, etc., remettons les duels. Mais en amont. Mm. En amont. C'est très simple. Et l'affaire se réglera. Je vous garantis que le duel serait établi en matière de presse. Tout ceci serait réglé. Tout ce qui est déontologie de la presse serait immédiatement dans les rails. Eh bien, merci encore infiniment, Bernard Lugan, pour ce très bel éloge du duel, l'honneur au-dessus de la vie. Ça fait du bien d'entendre un petit peu parler d'honneur. Un livre, évidemment, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci à vous, Jean-Louis Tremblay. Et je signe ce soir à 5h à La Nouvelle Librairie. Ah, alors voilà, rendez-vous à La Nouvelle Librairie. Aujourd'hui, nous sommes mardi, c'est ça? Oui. Avis à la population. Avis à la population, signature à La Nouvelle Librairie, rue Médicis, à partir de 17h. Venez armé, bien entendu. En garde. Merci encore Bernard Lugan, merci à vous Jean-Louis Tremblay, et nous tiens peut-être quelqu'un qui mériterait qu'on honore de nouveau le duel, c'est Elisabeth Borne, on va parler d'elle dans quelques instants. Moi par exemple je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Allez, aujourd'hui, on donne la parole à Elisabeth Borne qui nous a fait une belle sortie sur ce qui est, selon elle, le patriotisme. Écoutez-la. À tant de désordres, face au retour des guerres, face aux tensions entre les puissances, l'Europe nous apporte la stabilité et la force nécessaires. Elle nous apporte la paix, elle préserve notre capacité à écrire notre propre histoire. Une Europe souveraine, c'est une France souveraine. Être patriote, c'est être européen. Voilà, alors une Europe souveraine, c'est une France souveraine, et être patriote, c'est être européen. Alors là, Elisabeth Borne, on est en plein 1984. Hein. La vérité, c'est le mensonge, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'Europe, c'est la souveraineté, surtout cette Europe de Bruxelles. Merci encore, Elisabeth Borne, d'exister pour continuer d'alimenter tous les jours notre couvre-feu médiatique et toutes ces imbécilités. Merci à vous, Elisabeth Borne, et surtout, merci à vous tous, car nous avons battu un record d'audience aujourd'hui. Merci de continuer de nous relier tous les jours un peu plus. Et demain, je vous donne rendez-vous à 8h. Nous donnerons la parole à Max Erwan Gassino pour parler encore une fois justement d'honneur de l'Occident. Il faut que l'Occident réhabille son identité, son honneur. On en parle avec Max Erwan Gassino demain. Je vous dis à demain.
L'écho de la Pravda. Bonjour à tous. 16 000 personnes rassemblées hier à Paris dans cette marche solidaire après l'attaque du Hamas samedi dernier. Pour l'occasion, la tour Eiffel a été illuminée aux couleurs d'Israël. Des personnalités politiques, des anonymes étaient présents dans le cortège pour répondre à l'appel lancé par le CRIF et pour témoigner de leur amitié avec le peuple israélien. Dans le même temps, le ministère des Affaires étrangères confirme la mort d'un deuxième Français dans les attaques du Hamas. 14 autres ressortissants sont toujours portés disparus, dont un enfant de 12 ans. Le Quai d'Orsay considère leur situation très inquiétante. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne se rassemblent d'ailleurs aujourd'hui pour faire le point sur les réponses que peut apporter l'UE face à la situation. Le bilan humain, lui, continue de s'alourdir. Il fait état de plus de 1500 morts des deux côtés, à plus de 800 côté israélien, près de 700 sur la bande de Gaza. D'après les autorités israéliennes, les zones ciblées par les combattants du Hamas ont été reprises. La bande de Gaza est désormais en état de siège, a annoncé le ministre de la Défense israélien. Le Hamas aurait pris en otage plus d'une centaine de personnes et menacerait de les exécuter en cas de nouvelle frappe israélienne. Près de 200 personnes ont été déplacées à Gaza depuis le début du conflit. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale doit se prononcer aujourd'hui sur l'ensemble du projet de loi pour le plein emploi. L'objectif du texte, réduire le chômage autour de 5% en 2027. Un texte vivement décrié par la gauche qui dénonce une stigmatisation des plus précaires. Un vote solennel devrait avoir lieu en fin d'après-midi autour du texte porté par le ministre du Travail, Olivier Dussopt. En rugby, Antoine Dupont, de retour à l'entraînement, le capitaine du 15 de France a reçu le feu vert du chirurgien qui l'avait opéré après sa fracture de la pommette. C'était face à la Namibie fin septembre. Il pourrait donc être titulaire dimanche soir face à l'Afrique du Sud pour le quart de finale du mondial. Le talonneur Julien Marchand, en revanche, lui, ne sera pas disponible. Blessé, on le rappelle, lors du match d'ouverture contre